carrefours. Ça va être un moment très intéressant. Essayez de suivre le rythme, ça va bouger un petit peu. La danse de Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y a pas d'ennemis. Danse de Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y a pas d'ennemis. Danse de Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y a pas d'ennemis. Danse de Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y a pas d'ennemis. Que tu danses, que tu chantes, que tu sois beau ou que tu sois moche. Ici, y a pas de différence. Quand t'es là, tu retournes en enfance. Ça va commencer, ça va bouger. Et Kiki arrive, tu vas t'amuser. Tu t'es posé, t'as patienté. Mais tu vas voir, tu vas pas regretter. Viens danser, c'est le live de Kiki. Viens t'amuser, c'est le live de Kiki. Viens parler dans les chats de Kiki. Viens t'abonner, c'est le live de Kiki. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Donc on danse, tu vas passer ta soirée en transe. Quand tu penses, t'as de la chance. Ce streamer a bien trop d'éloquence. C'est immense, c'est intense. Toutes ces soirées qui n'ont aucun sens. Cette ambiance, cet encens. Toute cette montée en abondance. Viens danser, c'est le live de Kiki. Viens t'amuser, c'est le live de Kiki. Oh. Viens parler de la chatte de Kiki. Hey. Viens t'abonner, c'est le live de Kiki. Viens danser, c'est le live de Kiki. Oh. Viens t'amuser, c'est le live de Kiki. Ah. Viens parler de la chatte de Kiki. Hey. Viens t'abonner, c'est le live de Kiki. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Dans cette Kiki en bonne compagnie. Rejoins la piste ici, y'a pas d'ennemis. Non. Vous savez, une chanson s'arrête simplement lorsqu'on a décidé d'arrêter de la relancer. Alors c'est reparti ou pas? Il va falloir que je leur fasse comprendre qu'on dit pied dans la terre. Pied à terre, ça ne veut rien dire. C'est du bon sens après tout. On peut dire pied sur la terre à la rigueur. Bon, il va falloir que je leur explique. Le pied dans la terre. Si tu le poses par terre, il va se mettre dans la terre. Si c'est de la mer, il va se mettre dans la mer. Je parle pas de ta mère. Et si tu comprends pas, il va falloir que je réitère. Si c'est de la merde, mets ton pied dedans, tu vas les mettre dans la merde. Jamais personne qui dit pied à merde. Ne prends pas pour un con, car avec moi tu vas perdre. Je te dis mon gars, oh oui, tu vas perdre. Non mais oh, on marche le cul là où c'est quoi. Non mais j'espère que t'as compris quand même. Non, il faut que je te réexplique. Bon. Si tu fais la bagarre, tu vas prendre ta main et lui mettre dans la gueule. Tu vas bien lui dire, je vais mettre ma main dans ta gueule. Tu vas pas lui dire, je vais mettre ma main à la gueule. Ah oui, non, non. Ah non, non, non. C'est n'importe quoi de dire ça, quoi. Mettre ma main à la gueule. Tu imagines le mec qui t'a dit ça, tu vas dire, c'est un fou, quoi. T'as pas compris, quoi. Non, mais tu... Si c'est de la merde, mets ton pied dedans, tu vas les mettre à la merde. Jamais personne qui dit pied à merde. On va pour un con. Car avec moi tu vas perdre. Je te dis mon gars, oh oui, tu vas perdre. Maintenant je vais t'expliquer comment mettre un pied dans la terre de la bonne manière. Tu verras, c'est très simple. Il suffit d'avoir la bonne approche. La bonne manière. Quand t'as mis le frein, tu vas ouvrir la portière. Le pied de travers, tu le mets dehors pour qu'il soit à l'air. Tu tends bien ta jambe en direction du bas-terre. Pousse bien ton pied et tu vas prendre un air fier. Puis tu chantes ta radio et tu dis de cette manière: Adam 54,
Pieds dans la terre. 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 Léo a découvert que l'huile de coude était... Wow. Sur les pubs, bonsoir, comment ils vont? Et bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour les petits loups, bonjour les amis. Bon, merci The Snake Killer. Merci pour ton quatrième mois. Bon les amis, vous le savez, je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas... Je n'ai pas autant de talent que Monsieur Pazo. Ouais, je viens de lancer le live TikTok, merci. Mais... Bon, je me débrouille. Et en gros, sur Discord, il y a Snatch, le copain Snatch, qui m'a dit, qui a fait une petite chanson. Et je dis, tiens, c'est toi qui chantes et tout. Donc il a mis ça sur Discord. Il me dit, non, enfin, il m'explique, non, c'est un IA, c'est l'IA ou quoi qui a fait ça. Je dis, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, l'IA peut faire des choses comme ça. Alors hier soir, avant de me coucher, pendant une demi-heure... Tu ne peux pas, Snatch. Avant de me coucher pendant une demi-heure, j'ai parlé avec ChatGPT et on a écrit quelques paroles et on les a mis sur ce site que je vais vous donner un petit lien comme ça si vous voulez tester aussi vous-même. Et voilà, j'ai utilisé Suno. Je vais vous mettre le lien directement. Point d'exclamation musique, je crée tout de suite ça. Point d'exclamation musique avec un C, on va mettre pour créer vos chansons. C'est ici. Voilà, point d'exclamation musique, je viens de créer le lien, si vous voulez y aller, normalement ça devrait fonctionner, avec un C, comme Madame Mandelic a écrit. Est-ce que c'est bien activé? Voilà. Voilà, donc si vous voulez essayer de créer vos propres musiques, bah vous mettez les paroles, vous choisissez un petit peu l'instru que vous voulez, vous lui donnez plus d'indices possible et vous créez une musique. Franchement, j'ai essayé 2-3 fois. Bon, il y a quelques bugs ou quelques trucs qui sont pas ouf, mais pour un premier test, je me suis éclaté et je trouve que ça rend super bien. J'ai fait écouter aux motos, les motos ont kiffé. Donc voilà, j'ai enfin la musique de 22. Je n'ai aucun mérite comparé à Monsieur Pazo, je vous le dis tout de suite. Mais au moins, je vais faire chier tout le monde avec la musique de 22 maintenant. Et elle reste un peu dans la tête. Merci à Kylian pour le beau bébé de 9 mois. Merci à toi et Babas pour le 7e mois. Donc est-ce que vous voulez écouter la musique officielle du Capitaine 22? Ouais. Alors, c'est parti, c'est parti. Oh là 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 là. Ça m'éclate, c'est simple. Mais alors moi, faut pas me mettre des trucs comme ça dans les mains parce que je vais en faire des conneries. Si j'ai réussi à faire ça en 30 minutes, vous imaginez si je mets 1h30 à faire ça? Bon. Allez, je vous mets le jeu d'abord. Hop, normalement, il y a Francis. En plus, oh, parfait, le lever du jour arrive, regardez. Voilà, pour le clip, ça va être nickel. Pour le clip, ça va être nickel. Oh là là, regardez, c'est beau. Allez, c'est parti, je coupe le micro, je vous lance la musique officielle du Capitaine 22. Il n'a peur de rien.
détermination. Il brille comme un halo. Héros de Los Santos, toujours là pour nous. Avec ses qualités et défauts, il reste un pilier malgré tout. Toujours là pour soutenir, ici le commandant. Un peu lèche-cul, mais ça le rend brillant. Le meilleur pilote du LSPD sans hésitation. Même quand il tombe dans les pommes, il garde sa réputation. Toujours là pour soutenir, ici le commandant. Un peu lèche-cul, mais ça le rend brillant. Le meilleur pilote du LSPD sans hésitation. Même quand il tombe dans les pommes, il garde sa réputation. 22, c'est le capitaine 22. Pas de 22, le capitaine 22. Wouh! Alors, j'ai fait ça en 30 minutes, hein! Point d'exclamation musique, M-U-C-I-C. Si vous voulez tester, faire des musiques ou quoi, c'est. Alors, vous pouvez le faire gratuitement. Vous en avez, je crois, vous pouvez en créer 10 gratuitement. Donc voilà, j'ai fait ça en une demi-heure, il y a quelques bugs de phrases, il y a des choses qui vont... Mais dans l'ensemble, je trouve que ça rend super bien, donc je suis plutôt content. Merci Rob pour les 200 bits et merci Blood d'offrir 5 abonnements à la communauté. Donc voilà, non, personne l'a entendu encore, vous êtes les premiers les loulous, parce que en fait, j'ai un peu honte parce que Pinceau il se fait chier à faire des musiques, à trouver des instrus, à écrire des paroles. Moi j'ai écrit des paroles et avec ChatGPT qui m'a aidé, c'est écrit en collaboration avec ChatGPT, c'est mis sur un site, j'ai dit je veux un truc, la DJ Abdel Funk et tout, envoyé ses pesées, il m'en a sorti 2-3 qui étaient pas ouf, mais alors là, celle-là, je dis je veux celle-là. Il y a plein de versions, en fait j'ai plusieurs versions et la meilleure version qui m'a sorti c'est celle-là. Et là, je l'écoute en boucle, elle rentre dans la tête. Non, mais c'est incroyable. Merci pour les 200 bits. Je pense qu'il faut que j'aille troll Pazo ou quoi. Et on va la mettre à fond dans la voiture tout le temps. Je vais vous faire chier là pendant... Aujourd'hui déjà, je vous fais chier avec ça. Et je vais faire comme si que je la mettais à la radio tout le temps, tu vois. Mais il faut qu'ils activent le PPM. En plus, normalement, elle est non copyright parce que... logiquement... Elle est non copyright parce que logiquement c'est de la création, c'est voilà, mais ça rend trop bien quoi. Ça rend trop bien. Normalement, je l'ai mis en ligne comme ça, je peux récupérer le lien. Alors, elle est pas encore en ligne sur YouTube parce que faut que je modifie, je mettrai peut-être la petite danse là, je sais pas. Enfin, faut que je vois un petit peu ce que je vais faire. J'essaierai de vous le mettre après le live et comme ça vous l'aurez déjà sur YouTube et comme ça, ça sera dispo sur YouTube Musique ou des choses comme ça. Mais voilà. Mais franchement, les IA, ça... Enfin, par contre, non, honnêtement. Je parle de ça 2 minutes. Vous avez vu, j'ai fait ça en 30 minutes, les amis. Avec une IA, quand même. Que de l'IA. IA pour l'écriture, qui m'a aidé dans l'écriture. Même s'il y a quelques bugs, mais quelques trucs. Voilà. Et l'IA a chanté, a créé la musique. Enfin, c'est... Tu fais, ah ouais, quand même. Quand même. Mais par contre, je trouve qu'elle colle bien à la peau de 22 et voilà. Et c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire maintenant de nos jours. Mais voilà. C'est là. Ouais, et d'un côté, ça fait peur. Et d'un côté, tu dis, waouh, c'est impressionnant comment on évolue. Mais comme au début, Internet faisait peur. C'est le temps de cohabiter avec, je pense. Donc voilà. Ça peut dégager, ça? Comment c'est... Attendez. On va se la remettre et direction le PDP. Le Defender, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Oula, c'est un peu fort. On va se la mettre en radio un peu moins fort. On va faire... Capitaine 22, prise de service, bonjour à tous. Bonjour à vous, merci. Bonjour.
Discade, bonsoir capitaine. Discade, bonsoir mon capitaine. Bah ouais, les good vibes. Ah ouais, moi je voulais un truc good vibe et tout, tu vois. Je me suis inspiré aussi un peu de DJ Abdel. De Cops, pas de Cops, de Funky Cops là. Les policiers et tout, enfin ouais. Alors il y a juste, tu vois, il y a des phrases que j'ai oubliées, par exemple. Il n'y a pas la phrase veuve et l'orphelin dans le texte ou quoi, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Les lits du LSPD, bien évidemment. Hey, les défauts. Avare avec l'argent, bien évidemment. Mais il claque tout au casino, c'est fou. Hein. Toujours à l'excès, et il en dit toujours trop, c'est vrai. Merci Ulysse pour les 9 mois, le beau bébé d'Ulysse. Mais oui, ça rentre dans la tête. Attendez, je vais le mettre à fond, voir si j'arrive au casino. J'arrive au casino, j'arrive au PDP avec la musique à fond. Allez, tous ensemble! 22, c'est le capitaine 22! 22, c'est le capitaine 22! Un capitaine comme lui, il n'y en a pas deux! 22, c'est le capitaine 22! 22! 22, c'est le capitaine 22! 22, c'est le capitaine 22! Allô, Santos, c'est l'élite du LS! Détermination, il brille comme un halo. Héros de Los Santos, toujours là pour nous. Avec ses qualités et défauts, il reste un pilier malgré tout. Toujours là pour soutenir, ici le commandant. Un peu lèche-cul, mais ça le rend brillant. Le meilleur pilote du LSPD. Bien sûr. Même quand il tombe dans les pommes. Ah, je... Toujours pour soutenir, ici le commandant. Un peu lèche-cul, mais ça le rend... On va essayer de voir si, si... Ouais, vous croyez que je le remets dans le PDP? Vous croyez qu'ils vont kiffer? Bon, Zéro, il va danser comme un porc. Non, non, mais aussi, mais je vais vous la mettre sur YouTube. Vous inquiétez pas, vous l'aurez sur YouTube après le live. Je vais vous la mettre dispo. Mais rentre bien dans la tête, hein. Je suis content. 36 pour 22. Oui, transmettez. Vous êtes où, on peut se voir? Bouh. Vous avez peur, hein? Pas vraiment. Ah. Le respect, capitaine. Vous allez bien, ça John va? John, 10-41. Comment trop. Va le commandant? 10-4. J'ai pas de nouvelles encore. Okay. J'ai envoyé un message, mais... Ça marche. Bureau? Allez. C'est pour le rapport d'hier. Oh, j'étais dans une bonne ambiance de fou. Mais oui. Oh là 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 là. Ben oui, je sais bien. Ben oui. Vous êtes en deuil, je comprends. Je comprends, c'est tout à fait normal. Ouh là là, ben c'est... Ce soir, ça va, c'est nul. J'ai distribué 3 blâmes ce soir. Ah, carrément, 3 blâmes directement. Merci. Ouais, c'est bon, ça me prend la tête. Des mecs qui savent pas faire des procédures, des sergents qui savent pas lire les droits Miranda et je me passe. Oh non. Je voulais savoir. Merci Mike d'avoir offert un abonnement. En soi, écrit le rapport. Le truc, c'est que je voulais voir ce que je mets, ce que je omets. D'accord. Bah tout ce qui est d'ordre privé, c'est-à-dire la mort du commandant, la mort des parents du commandant, oui, ça c'est privé. Bien sûr. 24 au central. Qu'il a parlé de l'animal, ça c'est privé. Bien entendu. Et ça c'est pas mal déjà. 10-4, moi je pensais faire un simple rapport sur le fait qu'on a trouvé le commandant, et plus tard Monsieur Carter sans... Oui c'est ça, oui, on a trouvé le commandant, les pétages Monsieur Carter, et qu'il se rappelle pas de grand chose. Il je sais pas quoi, je suis au plus simple. Ouais, il faut rester évasif. Parfait, et je ferai un autre rapport pour nous en interne. Bien sûr. Je le transmettrai en privé. Il y a du monde là, je veux dire, vous avez fait un dispatch ou pas? Non, pas encore, je pensais que le commandant allait pas tarder, donc j'attendais. Mais... Ah oui, bon, on va attendre.
Voilà. On va attendre. Merci pour les 100 bits. Nécessaire. J'ai des choses à dire. Ouais, ça marche. Bon, bah, on va s'installer en attendant. Mes respects, capitaine. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Bah oui, ça va bien. Merci Rob pour les 200 bits. Vous avez passé une bonne journée, mon capitaine ? Ah bah ça va très bien. Oui, 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 oui. Moi ça va, ça va. Capitaine ? Oui ? À quelle heure vous ferez le dispatch, s'il vous plaît ? Quand le commandant sera arrivé, normalement, il devrait pas tardouiller. D'accord, ça marche. Ça marche. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Je suis 17 mètres, je suis loin du Defender. Hein. On peut pas l'entendre. Bon, moi j'ai quelque chose qui va vous remonter le moral. Allez-y. Allez, venez. Si on l'entend. Ok, venez. On l'entend si on est juste au-dessus du Defender. Malheureusement, on doit toujours s'écraser. Attendez, je fais un petit test pour voir. Oui, ben fais normalement, te prends pas la tête. Là, je me suis chargé des cadets. Ah! Vous avez votre PPMS d'allumé? Apparemment, mais je peux. J'évite, hein, c'est un risque potentiel. Oui, 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 bah mettez-le là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. C'est moi. Faites-moi confiance. Faites confiance! Faites confiance? Fais pas confiance. Faites confiance. Eh oui, bien sûr, je vous fais confiance. Ah, alors attendez. Ça va vous remonter le moral, regardez. J'ai très peur. Pour info, j'ai aucun mérite. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai aucun mérite. Mais je suis content et ça met la bonne ambiance, vous allez voir. 15, viens là écouter. C'est à fond? On entend? Ah, les watts du Defender. Les watts du Defender, ils pètent, hein. On a fait une excellente défense. Écoutez! C'est marrant, c'est comme les mecs qui vivent dans des pavillons et qui parlent de la rue comme s'ils avaient... Ah ouais, bah c'est ouais. Ça, hein. Vous avez vu, c'est moi, c'est totalement moi, hein. Ouais, exactement. Écoutez, c'est qui? C'est qui le justicier? Et c'est vous, capitaine. 22, c'est le capitaine 22. Ça swing, hein. Il y en a pas deux. 22, c'est le capitaine 22. Heureusement. C'est vrai que 22, c'est le matricule de mon ex-femme. Je suis pas votre ex-femme. Il y a de la musique ou pas? Je sais. Écoutez la musique, écoutez! Ça parle de moi! Mettez le PPMS! À fond! Chut! Bonsoir, mes respects. Mais chut, on écoute! Incroyable! Ouais. Un peu sérieux. Quand il y a de la musique, je perds mes moyens, capitaine. Moi aussi. Mon Dieu. Surtout quand ça parle de moi. C'est qui? Attention, c'est qui? C'est 22, c'est le capitaine donné. 22. Wouh, chut, tous ensemble. Oh ouais, incroyable. Tu peux baisser le bruit, la musique, elle a été faite pour vous, capitaine. Eh oui. C'est incroyable, vous êtes un capitaine hors pair, monsieur. Ah bah oui. Vraiment. Vous n'aurez pas d'augmentation à dire ça, hein. Non, mais c'est parce que je cherche, capitaine. C'est l'élite du LSPD. Ah, c'est grandiose. Ah, ça rend bien, hein. Vous voyez, ça fait du bien au moral. Ah ouais, elle est incroyable, la musique. Moi, j'adore, je m'ambiance trop dessus, là. J'adore cette musique. T'entends ça, Kaz? Oui, mais capitaine 22, violent, très violent, hein. Oh, c'est pas vrai, ça. Meilleur pénit de l'Espini, c'est pas moi qui le dis, c'est la chanson. Bon, elle dit aussi lèche-cul, la dame, hein, mais bon. Bah, c'est ça que je dis que c'était pas vrai.
C'est un peu emporté, je crois, sur cette. Ah, il y a moyen, ouais. On va lui coller un procès. Hein. Wouh, c'est qui? 22, c'est le capitaine 22. 22, c'est le capitaine 22. C'est moi. 22, c'est le capitaine 22. Elle a dit héros magnifique, hein, quand même, hein. Ouais, incroyable la musique. Ah, franchement, chapeau. Chapeau à l'artiste aussi. Ah ouais, l'artiste, elle est incroyable, hein. Incroyable. C'est qui chante? Oh, je n'ai aucun mérite. Ah. Ah, maintenant, on fait, la technologie fait des choses incroyables. Ah, ouais. Ah ouais, il y a un I devant le A, mais c'est ça, ouais. Incroyable, ouais. Incroyable, franchement, capitaine. C'est écrit par moi et une amie qui s'appelle aussi ChatGPT. Bon, alors, aucun mérite. Est-ce que la chanteuse s'appelle Suno? Oui, tout à fait. C'est, c'est incroyable comment ah, ça fait peur. Mais j'ai aucun talent et quand t'as aucun talent, c'est pratique. Allez. Ah, mais respect. Bonsoir. Oh, 17, t'as loupé cette musique. Incroyable. J'ai loupé quelle musique? Qu'est-ce que j'ai loupé comme musique Capitaine 22? Bah, la musique du Capitaine 22, c'est tout. T'inquiète pas, t'auras l'occasion de l'entendre. Alors, bon, le Capi, est-ce qu'on a des nouvelles du Commandant? El Commandante? Vous allez bien? On va avec et toi? J'ai de l'appeler, peut-être? Je vais essayer, mais pas son numéro. Ah, bah, je l'appelle. Oui, mais je ne suis qu'un simple officier et pas de salut envers moi. Juste ouais, mes respects, ça suffit. Ah, il me répond pas. Est-ce qu'on a retrouvé le chat qui a disparu? Quel chat? Là. Celui-là, quel chat? Faut regarder les affiches, il a disparu depuis 6 ans et demi. On va peut-être faire quelque chose, hein. Capitaine, regardez. Avec tout le respect que oui. Je vous dois, je suis pas sûr qu'on le retrouve. Vous êtes pessimiste. Non, vous êtes... Je suis... Qu'est-ce que c'est que cette pessimicité? Faut rester optimiste. Je suis pessimiste, Capitaine. C'est un chat, monsieur... d'une mamie qui est venue il y a 6 ans. Nous déposer une affiche. Moi, je l'ai jamais enlevé parce qu'on ne sait jamais. À tout moment, il peut se présenter au poste. Un chat qui avait 18 ans. Bon, merde, hein. Quand même. Oh, vous avez 18 raison, ans, vous avez raison. Oui, il avait 18 ans. Et maintenant, il doit en avoir au moins 42, hein. Je me suis peut-être trompé dans les calculs, mais alors, bon. Capitaine. Perle le sucre. Oui. Je viens de laisser une nouvelle à vous dire. Vous savez. Oui. Les chats. Oui. Ne vivent pas jusqu'à 42 ans. Et toi, tu vas vivre. Toi, t'as quel âge? Moi, j'en ai 29. Ah, c'est dommage que... Et normalement, tu devrais vivre jusqu'à quel âge? Bah, si tout se passe bien dans ma vie, mais jusqu'à 80 voilà. ans, c'est par contre, ça vient. Ah, bonne réponse, ça dépend. Et pourquoi les chats, ça dépendrait pas, hein? Parce que les chats ont une espérance de vie de 20 ans. Et s'ils avaient déjà 18 ans, c'est-à-dire que ça fait déjà plus de 16 ans. Et bah, nous, on a une espérance de vie de combien, nous, les hommes? Parce que c'est différent, non, capitaine. Pourquoi, les hommes pourquoi ça serait différent? Voyez, vous faites des catégories de différences, vous voulez différencier? Ah non. Il y a une différence entre l'être humain et les animaux. Les animaux, ce sont des personnes qui ont une plus courte espérance de vie que nous. Est-ce que vous avez déjà connu le même? Un même qui s'appelle. Est-ce que vous savez c'est quoi le même? Oui. Un même, c'est une personne divine qui dit, par exemple, qu'il ne faut pas être un chien. Il dit au chien. Je vais te laisser 80 ans de vie où tu vas devoir jouer, être un bon animal de compagnie, tout ça. Le chien dit « Oh non, c'est trop long !» et demande 20 ans au chat, à l'être divin. Le chat, un chat arrive. Le chat demande « Pourquoi moi ?» Le monsieur arrive et dit « Et bah toi, tu devrais faire des câlins à tes humains, être un bon chat, et les réconforter quand ça va mal. » Le chat répond aussi la même chose. « Ah, c'est trop long, j'ai la flemme. » Et ben, je lui demande 20 ans. Ça va, vous tenez. Pardon, je commençais à... Non, ça commence à faire la forme d'information. Voilà, ça va? Oui, je commence à m'endormir, pardon. En gros, au final, après que tous les animaux soient partis, tout ça, ouais. L'être humain arrive. Et l'être humain, ici,
Stop. Non, c'est presque fini. Ah bon. C'est presque fini. Let it be. J'ai audiment. Recommencer au début parce que j'ai rien écouté. on va abandonner, ouais, capitaine. Ouais. Je dis juste que les animaux ont une petite espérance. Oui, et ben bah, il y a un chat, il a vécu jusqu'à 34 ans. Et pourquoi lui pourrait pas battre le record? Parce qu'il est abandonné dans la rue et dans la rue parce que c'est un truc terrible. Non. Toi, tu es. Toi, j'aime pas. Tu es pessimiste. J'aime pas. Mais non, je suis pas pessimiste. 93. Si on le retrouve, je serais heureux. Je voulais savoir, c'est quand qu'on aurait les voitures d'office? J'ai demandé au commandant. Ok. Ou au lieu de. Non. Parce qu'en fait, il y a des. À quoi cher, en fait. Comme demander au commandant, pas ce soir, du coup. Capitaine, écartez-vous, vous êtes trop près, vous m'étouffez là. Me collez pas comme ça. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous demandez? Désolé. Parce qu'elle a une voiture de police sans gyrophare. Mais oui, je sais. La pauvre. T'inquiète. Dès qu'on aura besoin d'une voiture, on va. Ça dit quoi dans l'oreille, capitaine? Elle a pas entendu, je crois. Tant pis, il fallait ouvrir ses esgourdilles. Ses escarpins. Fallait couvrir ses escarpins. Comme ça, il y a des escarpins, capitaine. Je peux demander quelque chose? Bien sûr. Je crois qu'il a un problème. Je voulais savoir ça se passait comment pour rentrer dans les opérations d'intervention. Oui, si, vous m'avez envoyé mail, mais je sais pas si c'est toujours l'actualité parce que le commandant, je sais pas. Ah, je revois avec, faut que je fasse une réunion avec le commandant, avec le lieutenant, avec les lieutenants, avec le. Voilà, bon. D'accord. Ce qu'il faudrait. Parce que les zéniths, ça se remplit apparemment. Le zénith, ça se remplit? Qu'est-ce qu'il dit? Le? Saisie. Les saisies. Ah oui, les saisies se remplissent. Oui. Il faut vraiment qu'on vide un peu les saisies. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Bon, 36 pour 22, des nouvelles du commandant? Il est là, le commandant. Il est en face de vous, capitaine. Hein? Oh! Il est juste là, le commandant. Bonsoir, mes respects. Bonsoir, respect, commandant. Oui, bonsoir. Commandant. Ouais. J'ai quelque chose qui va vous faire remonter le moral. Il y a quelque chose qui peut rapporter mes parents à la vie? J'ai quelque chose qui peut vous faire un petit peu de bien, mais pas ça. Ah bon? Oui. Je. Bah, tout à l'heure, quand on fera un petit tour de Defender, je vous mettrai ça dans mon poste cassette radio, lecteur DVD, digital, Bluetooth, radio, tout ça. Alors, au gré de te décevoir, monsieur Martouf, je crois que quand j'ai créé le Defender, j'ai pas mis le poste. Si, il y a le poste, ça marchera bien. Ah là, ok. Ah ouais, je mets ça à fond depuis tout à l'heure. Ouais, non, carrément. Je croyais qu'il y avait pas de. Ah bah si, quand même, et oh. Et j'ai poste radio et à 150 000 balles dollars que ça coûte cette merde. Alors, monsieur Martou, votre défendeur, on va le casser, il va disparaître, mais on doit choisir un nouveau. Hein. Je ne veux même pas en parler. Ah oui, mais ça va être de la vie. Tu pourras prendre celui que tu désires. Je te donnerai le site et pour toi, je te fais le cadeau, tu prends ce que tu veux. Oui, non, mais on vous inquiétez pas, on en reparlera. Ouais, non, mais peu si importe. Tu as un BM, tu auras BM. Si tu as un gros 4x4, tu as un gros 4x4. Tu sais quoi, je peux même te faire un cadeau. Et je merci trouve que pour ça les peut être même très amusant, même merci, si les gens vont dire que c'est plus normal, on n'est plus sur la Terre. Est-ce que tu veux un Hummer H3? Oh, un Hummer! Comme dans les experts Miami! J'ai vu ça, il sais, avait c'est ça. Aberrant, hein, mais avec un pare-bluff qui fait deux fois la taille d'une Vista. Moi, tant que c'est gros et que je peux rouler sur tout, ça me va très bien. Ah, Hummer H3 voiture, Matouf. Hein? Ah oui, de voiture. Bien sûr. Bah bien sûr, moi, je parle que de voiture, mais vous voulez pas que je parle de quoi? Vous pensiez à quoi, vous, commandant? Bon, moi, je compte rester sur Karine, tu sais, elle ne me quittera pas. Ne Ou me... alors, je me suis dit, histoire de pousser pas. Un peu le vice, je vais peut-être prendre un M3 un peu plus... Ah plus serré, peut-être plus petit, mais en quatre portes. Par contre, dernière édition de 2023... Pourquoi vous prenez pas la M3 Most Wanted? Merci. Allez, Mister. 36 pour 16. Merci pour le deuxième mois. T'as un putain de rêve, ça, tu sais. Mais elle y est, la non flèche, elle l'a lancé en plein dans le mille, hein, vraiment. Ah oui. Tu sais, tout ce qui est Fast and Furious, alors 1, 2, 3, après, c'est de la merde. On est d'accord. Mais oh, non, si, le 5, si, Denso Kodula, Amonanida. Allez, les derniers, après, c'est fini, ils sont riches, ils étaient heureux, et tout allait bien, et tout finissait bien, on se fait la bise, et bye bye. Et voilà, ils ont tout gâché. Oui, mais l'argent fait pousser le vice. Ouais, voilà, toujours l'argent. Faire... Là, tu sais, Martouf, je pense qu'on parlera encore de Tokyo Drift quand sortira le 25e. C'est ça. D'ailleurs, exactement. Hier, alors, Martouf, je dois te présenter mes excuses. Pour qui? Non, mais de manière humanoïde, si tu veux. Oui. Hier, lors du dispatch. Oui. Tu es venu mal habillé. Aujourd'hui, j'ai monté ça, j'ai mis ça sur l'intranet. Okay. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà, j'ai vu quand j'ai dit, j'ai envie de te pisser dessus. Ah bon, vous avez comme un déclic, mais ça vient d'un film. Ah, j'ai pas eu la ref.
Mais... C'est pour ça que j'espère que je ne l'ai pas choqué. Si, c'est Dieu donné dans les 11 commandements. Ah oui, mais vous savez, voilà, il en faut plus. Il m'en faut plus pour me choquer, vous savez. C'est Mathéus. Non, mais voilà, pour ça, je vous l'ai expliqué en disant, ça se trouve, t'es un peu violent. Non, non. Non, non, il n'y a rien de violent. Puis j'ai l'habitude avec vous, commandant. Vraiment. Non, mais je crois que, commandant, je crois qu'on n'est plus amis. De toute façon, les gens, ils ont dit qu'on n'était plus avec. Ça, oui, le dialogue. En fait, il y a des gens, ils ont envoyé un message privé. C'est vrai que vous ne parlez plus avec Kiki. De cheval. Non, mais c'est fou, hein. C'est pas le seul que je reçois. Ah bon? Ah, moi, je reçois pas des combats avec des batailles sur. Venez, on fait semblant qu'on s'embrouille et après on fait des dramas. Non, mais on va se retrouver de ça avec des clips chacun disant oui, il a dit ça. Il a... Ouais, c'est vrai. On fait genre et après les gens ils vont croire et après on fait clash et après ça... Ah, je crois que je dois des explications en genre. Hein. Ouais, ouais. Bon allez, on y va, dispatch. Voilà, vas-y, ben va au dispatch, allez. On est parti pour le dispatch, tout le monde en salle de dispatch. 10-4, Tango, 10-9. 2-36, j'arrive, j'ai 4-5-4. Pourquoi on a une baisse de luminosité dans cette pièce? C'est moi, on a une baisse de... Il y a un problème de courant, il y a une baisse de luminosité dans cette pièce, non? Je sais pas. Bah, il faut déjà voir les câbles. Hein. Bon, je suis pas spécialiste, là, mais voilà. Ouais, ouais, bon. C'est où les Ophis hein? C'est plus intéressant. Je sais pas, tu choisis. Ok, c'est d'accord. Je vais me mettre là. Voilà. Moi, je pense que les cadets, c'est au fond. Non, pas forcément. Tu peux venir devant. Viens devant le cadet. Ah, ils ont dit que c'était par grade et c'était le cadet tout au fond, mais moi, j'étais comme bon. Ça. Bah, si c'est par grade dans l'autre sens, cadet, officier 1, officier 2, officier 3, sergent chef. C'est très bien. Allez, c'est moi qui décide. Viens devant, cadet. Ok. Et toi, tu bouges pas de place en fait. J'étais bien au fond, capitaine. Non, 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 pas près du radiateur, je vous connais là, vous allez vous lancer des boulettes de papier. Hein? Vous avez... Si. Capitaine, vous me courez vraiment comme ça? C'est pas tout sympa? Si. Capitaine! Oui! Capitaine, je compte sur vous parce que je vais me faire engueuler. Hein. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis au premier rang. Hein. Mais non, tu te feras pas engueuler, t'es cadet, viens au premier rang. Comme ça, si le commandant il a un truc à balancer, c'est toi qui prends. S'il balance sa tasse du LSPD. Oui. Je peux le faire, c'est un peu tout, c'est pas donné. Hop là! Seul est venu devant, tu aurais pu l'esquiver. Hein. C'est vrai, mais j'étais dedans. Dis-lui, hein, seul est devant, tu aurais pu l'esquiver. Mais cadet, officier 1, officier 2, officier 3, sergent, sergent. C'est attentif. Voilà. Ouais, voilà. Cadet devant, officier 1, officier 2, officier 3, sergent, sergent chef. Voilà, ouais, il y a tout ce qu'il faut là. Regardez, ils ont rien compris. Hein. Paldo. Ah, heureusement que 05 il est là. Regardez-moi ça. Oh là là. Les cadets, ils ont dit devant, capitaine. Devant capitaine. Sergent devant. Alors, officier. Les cadets là, devant. Ensuite, officier 1, officier 2. Le rang de gauche, enfin sur votre droite du coup. Tout dépend par où on se tourne. Oh là là, il a rien compris. C'est une catastrophe. Ils savent pas se ranger. On dirait un stylo qui a trouvé une poule. Mais non, capitaine, normalement c'est. C'était l'inverse, mais... On dirait de la porcelaine dans un magasin d'éléphants. Bonsoir, père. Commandant, c'est réglementaire, les nattes, là. Eh ben voilà, vous avez fait tout comme tout ce que j'ai pas dit, c'est parfait. Bon, bah ça ira très bien parce que de toute façon on n'aura pas mieux. Oh, pardon. Oh, j'ai esquivé ça, comment j'ai fait? Je vous préviens, ça va gueuler, hein. Lieutenant, il est pas content. Commandant, il est en dépression. Non, je veux pas gueuler, non. Et moi, ça va, écoutez, je vais bien, je suis plutôt heureux. Excusez-moi, mais pourquoi c'est bien ordonné à gauche et à droite? C'est un bordel. On croirait à gauche, Martouf il a réussi à faire le plat, et à droite on croirait la tarte aux pommes d'American Pie, les mecs. Ouais, c'est vrai. La tarte à la n'hésitez pas à bien vous remettre en place. Ah bon, allez, c'est bon, lequel non va mourir là? Non, commandant, comment ça? J'ai plus de balles, excuse-moi. Il est où 01? Il est pas en service? C'est la faute de 01. Non, mais les mecs, je suis en train de vous dire que vous êtes mal rangés. Ils me regardent comme ça, ils sont en garde à vous, mon commandant, on est bien rangés. Lui, mais parce en train que j'avais dit cadet, officier 1, officier 2. Mais, oui, après, mais d'accord, mais pourquoi mais est-ce qu'il y a trois sièges? Pourquoi est-ce que. Il n'y a pas beaucoup de sièges. Bon, c'est pas grave, allez. Bon, ça reflète l'état de la police. Déjà, je vais vous le dire maintenant. Il y a trop de personnes qui sont pas dans le dispatché, ça m'énerve. Une fois que vous partez en patrouille, n'hésitez pas à vérifier, hein, que vous êtes bien pas dispatché. Putain, le gazeuse. Pas dispatché. Oui. 16. Il est pas là. Mais il est où 16? Il est au gouvernement. Ah. Ah ouais, d'accord. Ok. Il occupe pour aller faire de l'avocanisme. Ok. Bon bah c'est bien. J'arrive. Oui, tu pourras m'emmener après. Jaden.
Je suis là, hein, je vais écouter après, je vais embarquer le commandant, je vais écouter la musique. Hein. Oui, bien sûr. Comment... Parle-t-il de plâtre, merci, que je sois oui, efficace. Ah non, moi je veux vous emmener, Ouais, bah tu m'emmèneras toi, là. Ouais, c'est moi qui vous emmène. Voilà, Ah oh, non, me dis pas que tu as fait le truc de la musique de commandant l'autre coup de je sais pas quoi, là. Non, ah non, 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 non. Ah, je vais non. le faire. Bon. C'est Les pas amis, bête. Je vais devoir partir quelques jours. Où ça? Au Sénégal pour l'enterrement de mes parents, Jaden. Oui, je vous accompagne. Tu peux m'accompagner. Mais tu resteras à l'aéroport. Super. Quelle est langue galée? Oui, tout pareil. Bah voilà, voilà. Tu ne parles pas, évidemment. Ah oui, bah non. C'est mon interprète. Je vais vous le dire maintenant et simplement de la plus puissante manière qui soit. Je vais partir. Et si je ne suis pas de retour dans 5 jours, attendez plus longtemps. Je connais, c'est une rêve, ça. Je l'ai. Bien. Affirmatif. Quelqu'un d'autre qui l'a? Je me suis dans quoi, mais je l'ai. C'est pour ça que vous avez des mauvais flics. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas le Dieu suprême, S. Ventura, fermez-la. Bon. Ah, voilà, c'était S. Ventura. Allô? Quand je reviendrai, je veux retrouver ce poste de police comme je l'ai laissé. Pas en fumée. J'ai un ami qui va venir, normalement ce soir ou demain, pour faire la caréterie. Hein? Il faudra être gentil avec lui. C'est un cadet? Oui, il a un petit truc en plus, tu verras. Ah, d'accord. Compte sur vous pour bien l'accueillir. Hein? Bien sûr. Affirmatif. Affirmatif. Affirmatif, commandant. Voilà. C'est notre quota? Ouais, il s'appelle Eddie. Eddie Cota? Pas compris. Pourquoi t'as dit au nom? pour rien. Fils de pute. Ah bah d'accord. Il sait, c'est ton cul. Je vous avais dit quoi les gars? Évidemment que... Commandant, ouais, commandant, je... attention, commandant. Quoi? Je sais pas, vous emportez. Quoi? Vous avez du persil entre les dents, commandant. Dispatch! Quoi? Vous l'avez pas? Et bonsoir. Non? Ah, Ventura encore, mais bon. Et dispatch. Ah oui, si. Ah oh, putain, oui, bien joué. Discat, oui. Mais de quoi? J'ai pas compris l'histoire du persil, c'est quoi le problème? Je sais pas, vous disiez quoi? Ah oui, pardon. Ok, vas-y, charmant, mets-toi en place, pardon. Bon ben voilà, mettez-vous en position, puis les patrouilles, vous les jouez quoi? Moi, hier soir, on a perdu Monsieur KT. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Bon, tu as raison. Mais les cadets qui se battent. Tu as raison. Non, mais il le méritait. Il ah, le d'accord, méritait. Il voilà. Méritait. Bon, bah, si, il méritait. Voilà. Du coup, là, tout le monde, là, vous prenez. Celui qui vient de frapper, là, mettez au milieu. Oui. Voilà. Tout le monde bourrez-lui la gueule. Est-ce que tu n'as pas frappé en dispatch? Mais allez, non allez, mais non que ça non, allez non, pète-lui la gueule. Super. C'est un ordre du commandant, hein. Le prochain qui me tape, je le tape aussi. Eh ben, rentre dans la meute. Regardez, regardez. L'être humain dans son environnement naturel rigole pendant qu'il se met des patates. Stop. Personne n'a un coup de Metallica à mettre en même temps là parce que Pogo, hein. Bravo les familles, on se soutient, on s'entraide. Non, non, vous tapez sur la gueule, super. Qui fout la merde. Non, eh ben, si on te dit de sauter du pont, tu vas sauter oui, du pont. Oui, il sautera. Si vous ah, d'accord. Je sauterai. Ah oui, d'accord. C'est du pont. Non, mais non. Le dernier qu'on a eu qui s'appelait Dupont était dégueulasse. Bref, mettez-moi en place. Ah bah alors là. C'est bon, vous l'avez aussi là. C'est bon, c'est dégueulasse. Je laisse quelques instants que tout le monde se fasse l'image d'un mec qui baise un cadet. Ah, sale. Eh, c'est pour ça, on saute du pont, voilà. Mettez-vous en place de V2, deux par deux. Vous prenez les officiers, vous prenez les cadets, on va travailler. Je veux une radio propre, efficace. Je vais me faire le tir des plâtres et après on avise, ok? Ce soir, je vous le dis, c'est opération démilitarisation. Pardon, non, pardon. Non, mais c'est pas... C'est les cadets du pont. C'est pas la même chose. Je peux dire un mot rapidement, commandant? C'est parce que... Vous savez que ce petit doudours, vous savez qu'il y en a un qui lui manque un œil? Ouais. Vous savez à qui il fait penser? Tu l'as qui manque un œil? Ah,
Mais je croyais qu'on avait celui-là qui manquait un œil, mais celui-là qui manquait un œil, il est dans l'appartement. Il est dans un gremlin, ça. Je le jure maintenant devant le Seigneur, quand j'entrerai 01, parce qu'il va mourir, sachez-le, c'est cela là-dedans. Ah, nickel. Je peux dire un mot rapide, commandant ? Oui, un mot rapide. Un mot rapide. Oui, un mot rapide. Attention. Ça fait 1. Voilà, ouais. C'est bon. C'était très bien. C'est rapide, Formula. Ouais, c'est vrai. Bon, pour continuer dans la direction actuelle des choses, ça fait quand même un moment que je trouve qu'on vous engueule, qu'on vous ci, qu'on vous ça, et ça fonctionne pas. Dans la police, il y a toujours clairement du jeu dans la direction, et le parallélisme laisse clairement à désirer. Problème de voiture ? Stop. Je te demande, s'il te plaît, j'allais d'ouvrir les yeux et de constater en fait que la moitié des personnes qui sont ici ne savent pas c'est quoi un parallélisme, ok ? Donc, soit tu prends des mots simples, ou soit je te pète le cul en 3 épisodes. Vous voulez que je sois plus simple ? Oui, on le veut ! J'en ai marre de vous gueuler dessus. Ce soir, je suis déjà à 3 blâmes. Si je dois continuer et virer la moitié de la police, je le ferai. Ah, 3 blâmes ? Qui c'est après 3 blâmes ? 17, 11 et 16. Et 29, attends le sien, tu viendras dans le bureau juste après. Et pourquoi ? C'est quoi les blâmes ? Pourquoi ? Affirmatif. Je vous expliquerai dans le bureau, si vous voulez. Bien, j'irai dans le bureau. Hein. J'espère que la formule des blâmes que vous avez, M. Jaden, est suffisante parce que je n'aurai aucun scrupule à retirer le blâme pour le C'est qui, 11 ? Ah, c'est le jour de mon anniversaire, 11. C'est qui 11 lève la main ou qui se teste à jamais? Ah oui, d'accord. Lemon. Merci. Ce sabin parole, 29, tu restes avec nous, les autres allez patrouiller. Merci, bonne soirée à vous. Objectif Blanche-Neige, vous me rattrapez toutes les personnes qui font la drogue là et vous me faites des surveillances étroites, ok? S'il faut prendre une personne que vous le mettez dans la meule pour faire les indics, il y a le nanat là-bas. Parfait. Un cadet, un officier, on se mélange. Bonne patrouille à tous. Bonne patrouille, merci messieurs. Et on revient avec du concret, on s'en occupe jusqu'à la fin. Et faites du mélangisme. Affirmatif. Bonsoir. Affirmatif. Désolé, je suis un peu plus tête. J'étais pas là pour le patch. Oh non. Tu fais le mélangisme, il dit. Je vais avec qui, moi ? 35-10. Bonne soirée, 35. Bonne soirée. Je t'écoute. Même moi, je sais pas. C'est sombre dans ce commissariat, qui éteint les lumières? C'est sombre aussi pour vous? Je vais vous donner deux soleils, peut-être ça ira mieux. Ah ouais, vous croyez? Voilà ça. Hein. Ah non. J'aurais dû dire assis, ça aurait été vachement mieux. C'est vrai, mais ça. Je pense que c'est la lumière qui est. Ouais. Vraiment, il y a. Je sais pas. Ouais, c'est un bug graphique, quoi, finalement. Ce bureau, il a jamais de mur. C'est incroyable que ce bureau. Excusez-moi. On peut en parler. C'est ça qu'on appelle le multiverse. Hein, il a vraiment une voix qui va pas du tout. Avec son corps. C'est Vous croyez que j'ai une voix qui va avec mon corps, moi? Ragnar Lecoste, oui, parce que tu as un corps de faible. Lui, Ragnar Lecoste, il a dit. Pardon, excuse-moi, Martov, pour le corps de faible. Non, bah non, j'ai compris. Bon, reprenons. Armand, tourne-toi, garde à vous au repos. Asseyez-vous, commandant, vous allez faire une tendinite. On est bien d'accord que les agents patrouillent par deux. Par deux, oui. Affirmatif. Donc, s'ils font une connerie, c'est les deux qui prennent automatiquement. Tout à fait. D'accord, donc comme 16 a pris un blâme parce qu'un sergent n'est pas capable de lire des droits de Miranda. Ah, mais pas du tout, c'est même pas. On a relâché l'individu. Et tu vas prendre le même. Oh putain, les gars! Les excuses. Non, appelez-moi le maître qui a fait ça! Appelez-moi le maître pour ça! Mais il est là! Non, l'autre! Oui, mais ça y est, il a pris un blâme! Rien à foutre! Je vous le ramène après. Quand les excuses qu'on me sort, c'est que vous aviez pas les informations alors qu'on a tous une radio pour communiquer ou des téléphones, c'est pas une excuse. T'as compris? Affirmatif. Ton blâme sera levé dans 2 semaines si t'en as pas d'autres d'ici là. Affirmatif. Même Zéro ne fait pas ça, bordel. Non, il arrive pas à attraper les... La différence, c'est quand même, quoi. Oui, ça c'est vrai. Si, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a pas de problème de premier rendez. Il les attrape pas. Excusez-moi, mon éminence, excusez-moi. Nous au moins on les attrape. Oh 29, on peut lui retirer son blâme juste pour cette blague. Oh merde. Non, parce que c'est trop. Ah oh, putain. Oh là là, c'est bien d'avoir une victime au commissariat, je trouve. C'est très pratique. 11 pour 00. Oui, 11. On est plus que 3.
trop fixé, mais on n'a pas de voiture. Est-ce qu'on prend un avant, s'il vous plaît? Oh, il a répondu. Du tac au tac, il a répondu. Et du coup, pour 11 et 17. Allez, viens devant le commissariat que je te fasse spawn une voiture grâce à mon super menu d'examine, fils de pute. Non, par contre, commandant, il y a des agents qui ont. Téléportant. Commandant. Je vais niquer. Commandant, je sais qu'Eddy arrive, mais il n'est pas encore là. Non, commandant, non, par contre, il faudrait quand même voir ça parce que c'est pas normal que les nouveaux agents n'ont pas de voiture. Ouais, oui, c'est clair. Même ceux qui sont passés officiers. Ouais, même ceux qui sont passés officiers, ils ont pas de voiture, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais je ne peux pas, je vais regarder ça demain, mais je peux pas. Je mais si, il faut qu'on fasse comme à l'ancienne, commandant. Je vous expliquerai demain. Tu peux disposer, 29. Très bien. Ok, capitaine, vous avez un truc à lui dire. Non. Continue à attraper les méchants, mais la prochaine fois, il est droit Miranda. Oui, oui, c'est... Oui. Allez, file. Une bonne soirée. Et les deux autres, concrètement, ils étaient à l'intérieur de poste, ils ont menacé quelqu'un qui m'attraque. Si je te dis que je ne peux pas, c'est que je ne peux pas, enfin. Pas de radio, commandant. Oh, alors, oui, en, fait, je en fait, je vous explique. Je mais vous pas, avez en fait, dit faire les garages, en fait, je ne peux pas. Mais les anciens fait, garages qu'on avait. Je peux pas les remettre. Pourquoi? Parce que toutes les voitures sont dans. Si je fais ça, il y a plus de voitures. Tu peux pas rajouter des voitures dans les garages? Non, en fait, si je fais ça, en fait, il faut copier toutes les voitures. Mais pourquoi? Non, non, mais attends. Quand on achète une voiture, ça va dans le garage. Pourquoi on leur fait pas acheter des voitures? Sinon, on met ça dans le PDM. On va les rajouter. Oui, c'est anti-dé. Non, tu dis Jackie. Merde. Écoute. Oui. Jackie Jack. Quoi? Quand je te dis le truc à l'ancienne, c'est comment on achetait les voitures à l'époque. On avait un autre menu, un tout petit oui, menu mais noir, qu'est-ce qu'on achetait? J'ai voulu remettre, tu vois frérot, c'est parce que j'ai voulu remettre Erwan que j'ai niqué toutes les voitures du serveur avec Dobra a fait ça. Et pourquoi on met pas au PDM et au PDM on va les chercher? Dans ce cas-là, il a fait son garage en rajout. C'est ce que j'ai dit à Dobra l'autre coup et ce que je vais faire pour la V2. Pour la V2 avec les items, tout ça, les flics qui deviendront flics dans leur casier, ils vont choisir un casier. Le lendemain de la soirée, en fait, compte quelqu'un, donc un mec qui gère ça dans la police, ira déposer une enveloppe avec de l'argent dedans pour se payer son véhicule, les améliorations qu'il y a besoin de faire sur le véhicule, genre par bluff, machin, tout bordel. De quoi payer sa clé, une tenue, etc. etc. Ah, donc là, aujourd'hui même, ça ne me dérange pas qu'un mec puisse aller au concessionnaire dans du jeu. Demain, je peux justement faire une catégorie au concessionnaire, véhicule police. D'urgence, d'entreprise, et qu'en fait, lui, il vend des véhicules de police. Et ça, vous êtes cadé, vous avez le droit à un véhicule. Oui, je peux le faire. Ça marche. Mais en attendant, ça marche comme ça. Dans cette ancien garage de mon époque, non, mais j'ai fait ça mal, ça me paraît un TikTok. Coup d'homme, tu vois. Bon, allez, je vais vous faire retirer le plâtre. 38 000 $, mes couilles, ouais. Oui, 28 000 pour la sultane et 10 000 pour la prise d'otage de la dernière fois, j'ai pris de mon compte. Quoi? Comment ça, non, non, sultane, je sais pas quoi, là. Non, non, les 10 000 dollars, les 10 000 dollars, là, il y a... C'est un véhicule de service. C'est un véhicule de service. La faute, elle a sauté, bah oui, bien sûr. Et les 10 000... Justement, c'est le problème. Non, quoi? Faire. Non. Il y a un problème électronique. Tu parles de quoi là? Quel tir accidentel? Oh là là. Unité Charlie 1023. Allez, on y va, on a du boulot, hein! Il y avait une fuite d'essence de ta voiture que j'ai tiré au sol pour faire un tir de sommation. Allez, on y va! C'est de votre faute. Hein? C'est de votre faute. Non. Unité Charlie, on part en 1031 dans la Pardon, GOH, commandant. Un véhicule qui redescend dans le sud. Tu viens de dire quoi, toi? Pourquoi les phares sont rouges? Parce que c'est le Defender. Je sais très bien ce que la GOH, merci. Mais si vous voulez le mettre en pratique, nous devons le dire à tout le monde. Et ça ne me dérange pas. En revanche, pour l'instant, tant que ça n'a pas été mis en valeur, tu donnes le nom complet, s'il te plaît. Car personne ne sait ce qu'est la GOH. La GOH est la grande agro. Moi, je sais ce que c'est la GOH, mais... Oui, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Moi, je sais pas ce que c'est. La GOH, c'est la grande proportion d'autoroutes qui commence à l'autoroute 13, donc de la 1. Oui. GOH, Great Ocean Highway, ok? Ah. Et ça continue, ensuite tu peux dire, voilà, route 1 GOH, ensuite donc tu as les lettres qui formulent toute cette grande route-là. Et en fait, généralement, tu peux diviser cette zone-là en deux.
Tu as GOH1 qui est celle de l'ouest et GOH2 qui est celle de l'est. On arrive sur l'axe Y. C'est pas bonne chose. Allez, vas-y, roule. Commandant, allumez la radio de PPMS. Ah oh non, pas pitié. Oh, si pas, c'est pas une connerie. Mais si, pas mais non, pitié. Regardez, on a fait une... Il y a, quelques... Il y a une amie, elle a fait une belle chose aussi. Vas-y, vas-y, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. Vas-y, j'ai mis. 10-5... Allez, on va le système. Non, 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 c'est moi, c'est moi. Oui. Regarde, elle le dit. Vous c'est, qui c'est qui c'est qui c'est qui 22, c'est le capitaine 22. Si, on y va, mais il y a 4 minutes, hein, pour y aller. Comment ça ? Oui, gagne. Bah là, j'y allais, justement. Ah, dessus. Ça marche. Par là, l'Occitane. Si, on y va, on y va. Non, on va venir en part. Mais. C'est au moins à l'opposé, quoi, au niveau de Wardog et de route. Chut. Je peux casser un mur là aussi, c'est un truc de fou. Vas-y, Frangine. Jamais que ce mon chat il dit tu feras gaffe, on t'entend dans ton micro, mais c'est pas aussi bon. De quoi ? Jamais que écoutez, mon chat, il dit... parle du commandant ! On t'entend dans ton micro, tu feras gaffe. Quoi ? Jamais que ce mon chat il m'a dit tu feras gaffe, on t'entend dans ton micro partout. Attends. Bah tout là pour soutenir le commandant. Mais ça, mais quoi? Mais c'est des mensonges. Non non, c'est la dame Elodie, c'est vrai. Je suis un peu lèche cul. Moi qui tombe dans les pommes, c'est pas quoi là? Non, c'est moi qui tombe dans les pommes. Ah. Oui, la dame elle dit des choses bizarres des fois. Attends, c'est vraiment tentant, faudrait que tu te prennes une c'est 15 mètres. Par contre, c'est ultra dangereux, hein. Vraiment, je dis ça hein, pour ouais, ouais, non, 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 mais vraiment, hein. J'ai aucun mérite. Non, tu te rends pas compte, tu sais que tu te rends pas compte, en fait, c'était JDG. Alors, on parle un peu entre nous. Entre oui, nous. Oui, oui, oui. En fait, JDG, il a fait faire des trucs. Il l'a dit, en fait, grâce à l'IA, en fait, il a dit, c'était juste pour tester. Et d'autres aussi l'ont fait, je crois que c'était. Peut-être Zeratan, oui, je crois. Si loin, mais en fait, en gros, ça peut t'écrire un script complet de vidéo YouTube et tout. C'est un truc. Ah, mais c'est non, non, moi, mais là. Au quotidien. Et en fait, même, je me suis tâté pour faire un truc, on serait le premier serveur français à faire ça. Comme on a des grosses trames, en fait, j'aimerais. Faire, on a les rôles MJ, donc maître du jeu. Ouais. En fait, j'aimerais qu'une fois par semaine, en fait, compte, l'IA nous génère en fait, compte, nos scénarios et on est obligé de les jouer. Ah ouais, ça peut être bon. Très bon RP. À qui on donnerait un rôle, pas de MJ, mais des rôles de joueurs un peu qui sont là pour apporter un scénario, etc. Donc des joueurs scénaristiques. Et en fait, ouais, on plein le dimanche, on fait le truc de l'IA et en fait, on voit un petit peu les scénarios de chacun. Ah, carrément. C'est une bonne idée, on pense quoi, toi je pense que ça peut être cool. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu me dises, toi, ce que tu veux faire à school parce que c'est bien toi.
Oui, c'est quand en fait, le truc, c'est qu'on a un guest, notre sous-manesse, tu vas la faire avec nous. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que lui, il reviendra de sa tournée, parce qu'il a tourné, mais partout, bref. Parce que là, l'été, c'est les festivals et tout, en plus. Début de saison, septembre. Et ça pourrait être intéressant, mais ça va être aussi du Ah, pour la rentrée et tout, ouais, carrément. D'ailleurs, si tu connais des streamers ou quoi que ce soit dans le métier qui veulent venir nous aider, bah, c'est beau. Ouais, on peut essayer, on peut tenter ça. Les gars, je sais que ma cam, elle est floue, c'est le 500e message que je vois, j'arrive pas à la mettre droite. Qui a entendu le nom que tu as dit? Le micro est bon, qui va venir. Allez, ouais. Alors, commandant, vous aimez bien ma chanson? Ça parle tout à fait de moi, hein. C'est tout à fait. Absolument. Oui, très pour très. Ah pourquoi oui? Pourquoi il n'y a pas eu le pas derrière? Je vais te faire une confidence. Oui. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ah mais le problème, c'est les paroles. Bah, 22, c'est le capitaine 22, ça rentre dans la tête, hein. Ce serait remplacé par 36 ou 0. Non, parce que moi j'aurais préféré. Il tombe dans les pommes parce qu'il n'a jamais mangé. C'est le capitaine l'enfoiré qui pense toujours à se faire ressusciter par les OMS. Le commandant casse les murs et lui il finit dans les murs parce que c'est. Eh ben vous avez qu'à faire votre propre chanson. Ouais, n'a aucune fraude d'estime pour lui. Ça c'est pas très gentil, commandant. C'est pas s'habiller, même Francis, toi le relooké. C'est la vérité, vérité, ouais, ouais. Il s'est pas habillé, ouais, ouais. Van ne s'est pas habillé, ouais, ouais. Le commandant, il pète les murs RP et lui, il finit dans les murs tout court. S'il te plaît, tu peux lui péter une, s'il te plaît, j'ai pas la force là avec les plates. Bonsoir, coller, attendez, j'ai reçu un message. Oh putain, c'est le vigneron. Il marche. Oh, bah, il voulait 50 000. Que 50 000 J'ai pu apercevoir que vous m'avez appelé à minuit 01, vous m'en donnez la raison. Ah, ça y est, j'ai reçu les sous. Si tu veux, je peux te donner un peu d'argent. Non, je fais pas la manche. Mais les Felton ont. 5 dollars comme la dernière fois, tu ne retiens rien maintenant. Ah oui, c'est vrai. Les Felton. Non, mais c'est bon, les Felton ont payé, donc c'est bon. Ils vont faire des cadeaux. Les Felton ont payé pour moi, là ? Non, ils m'ont fait un cadeau d'anniversaire, 27 000. Parce que j'ai 27 ans. Je vais arrêter les plâtres, s'il vous plaît. Ça va, Rick ? Tu m'as appelé ? Pas ça, en tout cas, on fait la radio. C'est qui la dame qui chante ? De quoi ? C'est qui la dame qui chante ? Qui chante quoi ? Ta musique. Ah, c'est. Elle s'appelle iMac. Elle s'appelle Subo. Non, c'est Subo. Suno. Elle s'appelle Suno. Ouais. Suno, okay. Elle s'appelle Packard. Et c'est une belle femme, Packard Belle. Bonsoir, mon éminence. Bonsoir. Vous êtes qui ? Le gouvernement. Bonsoir. Ah. Ils sont jaloux. Franchement, j'ai l'impression qu'on m'a mis un truc de verre pilé dans le cou. La musique est avec Capitaine 22. Mais... Oui, c'est le patron vigneron. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je viens de recevoir votre facture. J'allais vous envoyer un message non, pour mais vous fallait essayer pas. D'avoir réglé. Oui, bah oui, mais parce qu'en fait, je vous réponds pas au téléphone parce que c'est marqué ne pas répondre vigneron 50 000. Et, mais maintenant, je peux vous répondre vu que j'ai payé la facture. J'espère que vous faites pas. Vous êtes endetté parce que là ça serait problématique. Non mais regardez, je paye mes factures mais faut me laisser un peu de temps. Mais j'ai payé oui, je vous inquiétez pas, je vous ai laissé 3 jours puis j'allais juste venir que les hauts commissariats. Non mais non, faut pas se déplacer, regardez, c'est fait. D'accord. Eh ben n'hésitez pas à nous recommander des petits bons champagne ou des boissons si vous avez besoin de quoi que ce soit. On vous fera un magnifique prix. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Donc la musique s'appelle Capitaine 22. Très lourd le son, hein. De quoi? Lourd le son. Ah, t'as vu ça, hein? Incroyable, hein? Ça reste dans la tête, hein? 22, capitaine 22. Ça va, toi, du coup, parce que vous avez perdu votre patron dépité? Bah, je t'avoue, ouais, bah non. C'est... Et bonsoir. Baptiste, tu viens, s'il te plaît, merci. C'est pas la joie, mais bon. Bah, je comprends. Oh là là, je suis pas censé dire ça à un flic, mais je le retrouve, je le bute, hein, celui qui a fait ça. Non, t'inquiète pas. On est. Tout le monde l'a dit. On est sur l'enquête. Sur la liste à lui mettre une balle. On est sur l'enquête. Bonsoir. Bonsoir, mes respects. Capitaine 22, s'il vous plaît. Depuis la musique, ça y est, maintenant c'est toujours Capitaine 22. Ah bah oui, toujours. Donc, la musique s'appelle Capitaine 22,
Et elle est pas. Oui, tu vas y arriver. On va y arriver, Zoro. Non, on peut même pas parler aux abonnés tranquilles. On est dérangé dans le RP. Non, non. La musique s'appelle Capitaine 22. Elle sera disponible sur ma chaîne de rediff. Point d'exclamation rediff. Ce soir après le live, je vous la mets. Mais pour l'instant, elle est pas encore dispo. Voilà. Mais je vous la mets ce soir sur après le live en rediff. Juste la chanson et vous aurez également la rediff demain. Mais elle arrive, Zoro. Patience, patience. Le Kennedy, on va sur la dernière alerte. Et point d'exclamation musique, si vous aussi vous voulez créer des musiques. Elle sera sur Spotify ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si. Enfin, je n'ai pas vraiment les droits d'auteur, c'est une IA quand même. Kennedy 10-23. J'imagine, je peux les mettre sur. S4. S4. Remets-la alors, je kiffe trop. Vous allez la mettre en boucle. Ah. Peut-être que je la mettrai sur TikTok, ok. Ouais, l'IA, en parlant de l'IA, regardez, j'ai aucun mérite comparé à Pazo. J'ai vraiment aucun mérite. Cependant, c'est vrai que. Franchement, je préfère être seul. C'est incroyable parce que moi qui n'ai pas de talent de chant, bah, je peux créer des choses. À moi. J'ai hâte de faire un truc un peu rock, un peu badass pour Billy. Hein. Vraiment. Hein. Et je peux en créer, en fait, on peut en créer plein, en fait. Hein. Keja dit, tu as pas fait ça en 30 minutes. Il dit, tu as fait ça en une heure. Non, j'ai fait ça après le live. Le live, je l'ai arrêté. Il était une heure et demie. Je suis couché à 2 heures. Et et du coup, ChatGPT, j'ai tapé 2-3 paroles. J'ai tapé, écris-moi une chanson sur un policier, machin, qui est comme ça. Après, il m'a sorti un truc. J'ai dit, rajoute les phrases. Il m'a rajouté les phrases. Regardez, je peux vous montrer vite fait si vous voulez. Mais vraiment, j'ai ChatGPT. Tu veux la main. Attendez, c'est où? Bureau. Bureau, je vous retrouve ça. Donc ça, c'est Suno. C'est Suno, c'est toutes les versions qu'il y a de du Capitaine 22. Donc il y a des versions un peu plus nulles. Un peu... Mais Francis, assez de faux pour nous. 22, c'est le capitaine 22. 22, c'est le capitaine 22. 22, c'est le capitaine 22. 22. Ah, c'était après j'ai changé les paroles. Ouais, non, là après j'ai changé les paroles parce que j'aimais pas. C'est le capitaine 22. Oh, oh, oh. 22. 22, c'est le capitaine 22. Oh, oh, oh. C'est les mêmes paroles, c'est juste le rythme qui change. C'est vous. Et donc moi j'ai pris celle-là parce que c'est la mieux. Voilà, moi je voulais vraiment un style comme ça, funk, disco, DJ Abdel. Après j'ai fait des essais, vous voyez. Mais voilà, donc en fait là j'ai écrit tout ça. Mais après ce que j'ai fait, enfin avant de ça, j'ai fait ChatGPT. Hop, j'ai été dessus. J'ai pris du coup musique, là j'ai pris ça. Regardez, on a discuté toute la nuit hier avec, regardez, verset 1. Écris-moi des paroles pour une chanson assez rythmée qui parle du Capitaine 22 et des interventions qu'il fait à Los Santos à bord de son Defensor et n'hésite pas à mettre des coups de pare-buffle. Bon voilà, et après j'ai modifié 2-3 phrases, j'ai dit non mais plus ça, les chorus 22, pour le refrain c'est 22, c'est le Capitaine 22 avec plein de répétitions pour donner du rythme, c'est ce qu'il m'a fait. Voilà, j'ai dit, voilà,
Il n'y en a pas deux, voilà, je lui ai dit d'écrire ça, il a réécrit la chanson à chaque fois. Et une fois que ça me plaisait à peu près, même s'il y a des erreurs, par exemple, les criminels tremblent quand ils montrent son contour. Pff, ça veut rien dire, ça, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû modifier, mais j'ai fait ça en une demi-heure. Il y a plein de petites erreurs comme ça qui sont un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Et après, j'ai pris ce texte-là, paf, 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 CTRL-C, clac, je suis arrivé sur Sumo, j'ai fait clac, j'ai fait instru, enfin voilà. 10-23. Non, ça c'est. Non, pardon, là c'est description de la chanson. C'est pas là, j'ai fait custom, j'ai fait les lyriques, tu me mets ça en chanson, tu me mets. Si je mets rock ou quoi, il va me la faire version rock en fait. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et y a une version gratuite où vous pouvez en faire quelques-unes. Bah là, vu que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai envoyé, du coup je peux en refaire gratuitement. 05 pour mais sinon, point d'exclamation musique. Mais voilà en fait. Et après, il en propose deux à chaque fois et sur les deux, j'écoute ce que je préfère et je change, je demande d'autres choses. Mais voilà. Et donc du coup, si je précise, si je suis encore plus précis là, j'aurai encore un meilleur style avec les paroles un peu plus travaillées ou quoi. Enfin, on peut avoir. Alors par contre, il génère une miniature et vu qu'il y a Capitaine 22, il a fait un truc de Superman, super héros ou quoi. Mais voilà. Donc c'est quand même impressionnant. Donc vous pouvez faire, tester vos musiques ou quoi. Et puis voilà, peut-être qu'on créera un channel Skyfra pour ceux qui créent les musiques. Par contre, il faut qu'on trie, faut qu'on se voit Skyfra pour virer un peu des channels sur Discord qui ne servent à rien. 15% Bon, on va retourner en RP, mais voilà, pour les infos, vous avez tout, amusez-vous. Potentiellement un futur braquage. Un futur braquage, comment on dit ça? Répétez le 10-20. T'appelles TPH. Voilà. Mais voilà. Écrit par ChatGPT et musique ça. Dessus. Bah, mais faut pas mettre des trucs comme ça. Hein. Je vais faire des musiques. Je vais faire le hit de l'été, moi, avec ça. Hein. Je vais faire des trends TikTok. Hein. Vous vous rappelez le son de Joyka qu'il avait fait? Faut que je dise un truc. Ah ouais, c'est un secret. Je suis sûr que je peux trouver un truc comme ça et faire. On est déjà en route pour Charlie. Oh oui, putain! Et faire oui. Autre chose. C'est le call qui vient d'avoir. On va tout de suite faire ça. J'ai vos calls pour le dire, désolé. En 10-05 pour John. 10. Ils m'attendent. Et attendre. Pourquoi vous avez sorti les poubelles? Je sais pas, ça traînait dans votre voiture. D'accord. On y va? Ouais. Ça va mieux, commandant? Ouais. Je suis en train d'écrire un clash sur toi. Ah oui? Ouais. Alors, ChatGPT? Non, alors moi, c'est vraiment moi qui. Le problème, en fait, c'est que moi, j'ai une plume qui est très hardcore. Ah, nickel! Et je veux pas te froisser, donc je veux pas faire ça. Si, faites-le, je veux savoir. Tu veux que je fasse un clash? Allez, clashez-moi, voyons! Ah, vrai, tu veux vraiment? Vous me clashez, je vous clash, hein, par contre, attention, on fait un combat de clash. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, hein! Est-ce que ça. Mais vous êtes capable de chanter, je suis sûr aussi, par-dessus. Bien sûr. Pas moi. Oui, mais pas moi. Ah bah moi je le fais, j'en ai rien à foutre. Ah oui, mais vous êtes un dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où lui? Regarde, j'ai pris 2 minutes, j'ai écrit 2 rimes, tu veux je te dis? Vas-y. Regarde. Non, je peux pas. Si, vas-y, allez-y, non, commandant. Non. Allez. Ah, vous allez pas me vexer. Allez-y, vous allez pas me vexer, commandant. Tu portes le nom d'une peluche qu'on lâche à 6 ans. Tu seras toujours simplement l'ombre de ton commandant. Mais non, ça marche pas, c'est Martouf. Oh, je suis con. Vous êtes vexé quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a de la chance, hein. Faut changer de développeur, hein, il fait n'importe quoi. Hein. Faudrait me reprendre dans la police. C'est vraiment incroyable ce qu'elle peut faire, hein. Non, je vais rectifier, attends, j'ai écrit ça en 2 secondes. Commandant? Après, vous pouvez faire avec Francis. Au lieu de Francis. Situation sur la supérette, 2 otages, une seule voiture Sultan Norna Crépose. On y est déjà.
On va aller voir le braquage là. Reposez-moi parce que. Ouais, bref, je vais aller bien comment ça fonctionne. Je ferai ça. Ah, je vais faire un. Non, vous savez ce qu'on va faire plutôt que de s'en foutre dans la gueule. Parce que qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait du stop. Arrête-toi, il fait le stop, arrête-toi. Bah, il se démerde, hein, je suis pas taxi. Bah, non, mais on est la police, non? Eh ben, on est pas taxi. Eric. Va le voir. Bon. Il fait le stop. Martouf, un peu de chrétienté, non? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous oh, allez putain. Où? Je suis en panne d'essence. Ah ouais. Ben, bah, en panne de champagne aussi, allez monte. Mais il y a de l'essence derrière, commandant. Là, juste derrière, une station d'essence, monsieur. Hein. Oh là là là. Non, mais c'est la... peut-être qu'il n'a pas la voiture ici. Il est venu chercher l'essence, il va sa voiture. Ah, elle est où votre voiture? Prenez le bus, merde. Où allez où alors, votre... Ouais, allez, alors attendez. Oh, j'ai peur. En 3036. Ah ouais, 3036, ouais. Toujours plus loin. Vous ouais, pouvez me poser sûr, au... Hein. Vous pouvez recruter dans la police si possible. 3036. Oh là là, mais non, 3033. Mais c'est à 70 chars. On peut la rapprocher un peu. On peut la rapprocher commandant un peu. 3036, oui, qu'est-ce qu'il y a un peu. Vous pouvez me recruter dans la police? Qui ça? Lui là derrière? Moi. Mais pourquoi? Quoi? Parce que j'ai fouillé le bureau du. Ah putain. Oui, ça marche. Bah, demande au mec la campagne d'essence, il va te recruter. Lui. Eh bah, pas de soucis. N'hésitez pas à me remettre commandant. Multitâche. Ferme ta gueule. Allez, ça descend. C'est passé où 3036? Ah si, c'était là. Ah ouais, putain, non, ça fait loin. C'est qui veulent... Attends, c'est pas cohérent ça. Il est tombé pas dans 3036, c'est une station 3037. Ah, c'est oui, quoi, c'est vrai ça. Allez, y a un braquage, on y va. On va aller voir comment il gère. Ah ouais, fort bien. Non, on va créer une chanson qu'on obligera tous les policiers à écouter dans la voiture. Une police, c'est vraiment. Une musique, c'est vraiment. C'est la police, tu vois. Ah oui, c'est vrai, oui. Je vais le faire. Je vais l'écrire de mes propres mains, tu verras. On va mettre une unité de mesure dans la musique ou est-ce qu'on va comparer? C'est là 0-1. C'est à droite le braquage. Il est où le braquage comment... C'est là où il y a le point, pas, mais... C'est bon. Il n'y a pas de braquage, je vais écrire ce papier, c'est pas ça? Le réservoir central ouvre le braquage, s'il vous plaît. Putain, mais répondez pas, hein! Non, c'est pas. Si c'est oui, bon. D'accord, elle est où cette supérette, s'il vous plaît? 80. Hein? Il a dit 80, mais il a fait 80. Combien? 90-46. Ah, c'est pas ici, c'est plus bas. 90-46, c'est ici. Hop, allez. Traversez pas! Oh, ça me rappelle quelque chose. Ça. Oui. La fille du procureur. C'était pas. Oui, c'était pas ici. Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. C'était incroyable. Oh, le meilleur course poursuite de ma vie. Kennedy, on part sur un 10-31 sur une Reinhardt bleue. Bonnet 4. J'aime bien parce qu'ils nous disent ça, mais en fait, on s'en bat les couilles, ils ne demandent pas de renfort ou de trucs comme ça. Si, si, parce en fait, que... en fait, le call ne sert à rien, Martouf. Ben oui. On poursuit une voiture, ben c'est bien, félicitations, et puis va niquer ta mère. Ben si, parce que comme ça, on est allé aux aguettes, ils ont besoin de. Non, mais dans ces cas-là, qu'ils précisent, pas besoin de 10-24, là, c'est bon, tu vois. Allez, c'est bon, c'est lourd, allez. D'accord, je vais lui dire de supprimer ses photos. D'accord. Mon commandant? Ah, on a foutu mon combat, moi. Capitaine, en rapport que la véhicule appartient à monsieur Emilio Melissa. Négociation. Il y a deux preneurs d'otages et normalement trois otages si je me trompe. Continue à prendre en photo mon copain, tu vas voir. La patte, je vais te la mettre dans le cul mon copain, Tu vas rien mettre dans mon cul mon grand. Emilio Melosa là, le véhicule. Oui, affirmatif. John, on a retrouvé la Reinhardt de Kennedy. Viens me sucer le kéké, c'est toi mon copain. T'as pas tout dit moi. Ah non, laissez votre kiki tranquille. Rangez ça. Rangez votre kiki là! Rangez ça! Vous avez blessé quelqu'un! Attends, mais comment? Bah là, il faut les négocier là! C'est pas tout à fait négocié! Mais du coup, j'ai eu la première. Donc, une bah, du coup, alors qu'est-ce que tu vas faire là? Moi, je suis pas là, je suis parti au Sénégal! Capitaine, oh, petit! Comment tu sais? Ah! Bah, ils sont plus que deux! Ah non, c'est bon! Bon. Donc, non, c'est central, je viens de faire une première négociation avec l'individu, il demande 7 000 $ pour deux otages. Non, 0, il n'y a pas d'autre personne. Mais il y a tout le monde ici, là, t'as deux voitures, c'est une superette, donne pas les informations. Commandant, je vais faire le plein. Ouais, bien après, c'est une bonne initiative.
Donc 7000 dollars pour deux otages et une seule voiture pour la voiture. Oui, disquette. Est-ce qu'une unité serait capable d'aller me chercher la somme de 7000 dollars? 05 pour John. On effectue un 10-39. Pour Kennedy, toujours en 10-31. Qui c'est? Vous avez demandé à la supérette d'aller vous chercher des sous alors qu'il y a deux unités sur place, voire trois avec nous? Disquette, désolé. Je voulais pas parler rapidement. Je vais vous la mettre dans la tête, hein. Il n'y en a pas deux, 22, c'est le capitaine 22. C'est le capitaine 22. 22, c'est le capitaine 22. Excusez-moi, pouvez-vous vous pousser un instant? C'est l'élite du LSPD. J'ai coupé la radio parce que ça va gueuler. On peut faire des analyses sur le lapin. Non, les flics, dégagez-vous. Regardez les flics, on peut. Regardez les analyses. Pourquoi il y a un lapin? Parce que je l'ai buté. Mais pourquoi il y a un lapin en ville? Bon, voilà. Je sais pas, j'ai conseillé ça cet après-midi, je suis vachement content. On peut reprendre. Mais c'est une folie. Mais, commandant, vous marchez très bizarrement. Qu'est-ce qu'il a? la somme est en route, d'accord? Ouais, commandant, vous avez l'air d'avoir un contre-tige dans le cul. Pour te garantir que c'était toute la boîte avec. Ah oui, non, parce que. Ah, oui, c'est bon. Voilà. Ah, mais c'est parce que j'étais en. Ah oui, d'accord. Oui, en sanitaire. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Bah, c'est la musique du capitaine 22. Est-ce qu'il y a une unité disponible? Quel Kennedy? Est-ce que vous pouvez vous rendre au Life Invader? Capitaine, nous appeler. Apparemment, il y aurait un. Ils entendent quand quelqu'un pleurer. Si jamais on arrive à arrêter les individus, oui, pour aller remettre l'outrage à l'avant ou pas? Pourquoi ils ont insulté? Il m'a menacé de me mettre sa batte de baseball dans le cul, je l'ai pris en photo. Non, parce que ils ont l'habitude, c'est. Ils prennent déjà pour le. Je préfère demander. Oui, oui. Outrage à l'agent, c'est vraiment quand vous êtes. Quand il n'y a rien et qu'ils forcent, ils forcent, ils forcent, mais qu'ils font rien. Capitaine, vous voulez prendre la CP ou je prends? Et pourquoi il va. Bah, on y va à deux? Un P1, P2? Ah, il y a une voiture pour une voiture. Mais juste. Si vous avez négocié une voiture pour une voiture, c'est ça? C'est ça, voiture pour voiture avec une semble faible pour les trois otages. Ok, bah si vous le perdez, vous m'appelez et je viens chercher. Merci à la Kazam pour les 200 bits. On va mettre un petit coup de musique pour ceux qui l'ont pas entendu. Vous êtes désolé, on le sait, mais. C'est pas grave. Capitaine. Oui. Il y a une forte possibilité qu'il y ait un braquage en. Mais comment vous savez? Parce que en 81-70, une voiture noire s'est mise en travers au niveau de ton comptoir. On attend l'alerte, ça marche. Je serais pas le faire ça. Oui. Tu sais le lapin. Oui, il fallait pas le tuer. Bah, c'était pas un lapin. Ah bon? C'était un lapin transformé? Bah oui, bah je le doutais, un lapin en ville. Mais commandant, un lapin en ville. Arrête, j'ai activé cet après-midi dans les fichiers de jeu des trucs pour les animaux et tout, ça peut se faire. Ah oui, d'accord, les animaux sauvages en ville. Un lapin, mais je suis trop con. Ça fait 9000, hein. C'était un lapin vivant, bravo. Tu peux pas faire mettre un gueule, toi, hein? Bah non, c'est mon travail. Putain de narvalo de bras.
Eh bah ça sera 9000. Ah ouais, ça sera 7000. Ça sera 9000. Ah bah non, vous étiez 4000. Alors, monsieur. Ah, il a explosé déjà ton négociation. On est un peu perdu. Hein. 000, qui c'est qui est court derrière nous là? 3000. Il en passe une dame, ok. Et deux, 3500. Voilà. Non, non, non. Avait dit ah, non, monsieur, on va pas commencer. On était parti sur 7000. Et ouais. J'ai fait une erreur. Ça reste 7000, monsieur. Ouais, y'a pas de soucis, allez-y mon copain, non, allons, réfléchis trop, mais... Appelez le... si l'otage peut venir maintenant. On l'a libéré. Vous l'avez pas vu, elle est partie. D'accord. Je confirme, ils ont libéré un premier otage. Bien, faites-moi rentrer. Faites attention mon copain, parce que je crois que votre requête est ouverte mon copain. Ouais, elle est ouverte. Ouais, ils sont tous fous des gens en rose comme ça. Une fois, je me suis fait kidnapper avec un monsieur en rose. Il voulait pécho 36. Oh, wow. Voilà. Bravo. La direction un système à tout sur la classe de la paye. Pardon. Allez, l'otage. 22, c'est le capitaine 22. Je te le dis maintenant, Martouf, ils font demi-tour, hein, voilà. Oui, mais en fait, ils ont négocié qu'une seule. Mais non, ils ont négocié qu'une seule voiture. Mais maintenant, suis-les, parce qu'on s'en bat les couilles. On n'est pas censé être de bonne foi, on est des flics, non? Alors. Ok. On arrive, hein, occupe votre négociation de merde, ils ont pas d'otages. Ils sont cons. Ah, tout droit. Ils sont à gauche là-bas. Pour la gauche là, ici, oui. Très bonne idée. Ça va aller à droite là. Ils ont été tout droit, ok. Que très bien, Martouf, à droite là. Actuellement en direction du Patrick, ça irait sur le droit. Prends à droite, prends à droite. Négatif, il tourne vers le nord. Tu vois pour le concessionnaire automobile. Pas pour les deux, pour les 10 là. Passe en OP1. 4. 10, 4. Je l'attends dans P1, hein. 1-2-1-2, qui c'est qui va prendre un bam? 15 sur 16. Oui, allô. Ça y est, ils sont en OP1 ou pas? Je vais péter mon crâne. C'est quoi la radio OP1 s'il vous plaît? J'arrive pas à y accéder. Dans le dispatch, c'est le dispatch tout en bas. Bah, il arrive pas à y accéder, il vient de demander. Il y a coup de feu, commandant. Ouais, c'est coup de feu. Ouais, demain. On est à côté, on va aussi sur le coup de feu. Bon. Je viens de recevoir un appel pour te faire comprendre, Martouf, et ça me dit « Bonjour, pour vous signaler que sur la carte, il y a un véhicule totalement disparu !» À droite, là, ouais. C'est en haut, non? Ouais, au-dessus de... Non, vas-y. Regarde là. On est transmis? Non, c'est les instants, c'est que ça a déjà été réglé, là. Je fais les entretiens de DKD tout seul, ou j'attends un état-major? Attends, état-major, je suis déjà quelqu'un arrive. Salut la Guerta! À gauche là. Qu'est-ce que c'est ça? Bonsoir! Ça va? Tout va bien? La bleue tout à l'heure, elle a déjà poursuivi un choix, c'est ça? Bonsoir! Non? Ah, ça repart? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça repart. Ok. Coup de feu et eux ils se partent comme des terrains. Je sais pas si c'est un lien, mais on va les fouiller. Hein. Vas-y, rattrape-les, hein. Les gens, si on peut les rattraper, ça va déjà être très bien. On va les rattraper, comme dit. La chanson a dit que je suis le meilleur pilote du LSPD, sans hésiter. La chanson a menti, Martouf, la chanson a menti. Non, la chanson a dit toute la vérité, rien que la vérité. S4. Dans les chansons, ils disent toujours les vérités, les chansons. On est actuellement au... C'est obligé. Au niveau du Patrick. On a dit que je suis l'HQ. Négatif, on tourne sur... Tu vas prendre avec toi la stagiaire, après. En 80-38. Oh. Trash Charlie, on vient de le perdre en 80-37. Sur
répète, c'était une tasse noire nacrée violette. Tu mets un seul dans la radio OP1. Hein. OP2, s'il vous plaît. Non, parce qu'ils ont jamais réussi à la mettre. Ils ont... Ah, ils sont où, je les vois plus. Ouais, vous êtes haut, position. Ah, tout droit, tout droit. Ok, ça marche. Il trace avec sa voiture de merde là. Ah moi j'ai entendu meilleur pilote machin là. Ah non, maintenant si. Pas là non. Regardez. Oups. Bon après c'est vrai que t'es streamer, t'as deux. Ouais vas-y continue. Regardez ici, c'est par là, regardez. Ouais bah ça tu peux. C'est au-dessus de nous. 13-18-19. J'ai suivi aussi exprès hein. Ouais, c'était juste le premier saut, si tu vois pas normalement. Oui, c'était un petit peu trop. C'est oui, pas oui. Mais franchement, c'est bien. Juste arrête de traîner avec moi, c'est bien. Vous êtes tentation aussi, hein. Oui, mais le meilleur moyen de se séparer d'une tentation, Martouf, c'est décédé. Non, pardon. Pas de problème, tu as cédé la tentation, c'est normal. Ils sont où? C'est rien, mon pote. 10-20. Ah, tout j'ai cul. Vous êtes où là avec la voiture bleue là? Ça rien. Allô, le 10-20 sur la voiture bleue. Mais ils sont en OP1 avec moi. Ouais, dès s'ils sont pas en OP, capitaine, mettez-vous en OP. Si oui, mais en OP, personne répond. Alors je vais brûler tout le monde. En fait, celle-ci, à 29 en OP, avec fait du Colorado. Vous êtes en OP, commandant? Oui, affirmatif, je suis en OP. Ouais. Attends, il y a un braquage, rappel. On va dessus dire. Unité Caroline, on sera sur le braquage. Unité Caroline, on sera sur le braquage. Attends, je te mets les GPS, ok. On a mis le GPS là, on dirait qu'il va à l'autre bout du monde. Oh non, non, je mets le GPS, mais en fait, c'est. Bah, what the fuck, parce qu'il me fait les GPS les bah, plus longs, oui, quoi. Oui. Transmettez. Attends, c'est quoi le bombeugueuse, c'est toi? Monsieur Thomas Sandberg qui vous attend. Attends, attends, roule pas trop. Mais où le braque? Le Kennedy 19. Ah, parce qu'il est dans le nord et il me fait passer par l'autoroute, non? Kennedy 19. Je vois plus sur la carte, moi, le braquage. Mais c'est quoi ce bordel? Si, 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 c'est le point que vous m'avez mis. Mais parce qu'il y a un con qui l'a effacé? Non? Ah non, il y a encore. Pourquoi il met. Donc là, c'est pas en bas là. Ah non, c'est parce que c'est derrière! En fait, c'est derrière, il faut que tu remontes. En fait, non, non, il a raison. En fait, c'est parce qu'on a pas regardé. En fait, regarde, c'est sur la route 15. Ah oui, d'accord, ah, oui, c'est parce que c'est okay, sur c'est l'autoroute. Monte, okay, il faut absolument okay, okay, okay. Prendre l'autoroute. Oh putain, personne fait des braquages ouais. Ici. Putain, mais. Bah ouais, clairement. Bah après, justement, tant mieux. Bah ça, oui, tant mieux, tant mieux. Un truc. Dans notre radio, parce que. Non, mais je quitte la radio là, ok. C'est pas clair quand même. De 36 et 15, on prend la salle d'interrogateur numéro 1, on est indisponible radio. Oui, bien après, 10-4. Pourquoi est-ce que j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui sont dans les putains d'affectations qui sont pas rangées dans leur dispatch de ce soir là? Parce qu'il y a. Je vais commencer à sérieusement sévir. Parce qu'il n'y a pas 05 qui fait des formations là? Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. Si, si, il a dit qu'il faisait formation. Formation, les gars, les mecs, vous ouvrez votre tablette de dispatch, ok? Ça, on vous explique. Enfin, bah non, faut faire la formation de. Oh putain. Il me faut leur expliquer qu'il faut modifier et tout, c'est ça, c'est vrai qu'elle est pas. Bah, c'était quoi, lui? Que... T'es en panne? La merde. Non, mais en vrai, il faut faire des mini-vidéos. Faut... Ouais, il faut que je fasse tout ça. Il faut vraiment que je me focus. Oui, oui, déborder. Et ça, bientôt, toi, t'es créateur de contenu pro, tu vas pouvoir m'aider. Quel motif, monsieur Sandberg? Je suis vraiment pressé de faire ce truc académique là pour qu'on puisse vraiment respirer là parce que. La coupe à gauche là, t'as du coupe à gauche là. Partout le tour. Coupe la gauche, coupe là hein. Coupe là, coupe là, coupe là. Coupe là, non. Eh si. Non, c'est d'elle. 29 pour 36. Non, 15, c'est bon. Ça repart, ok. Ça claque ça des tout hein. Y'a pas le temps de faire le plein hein, mais ça va. Ça va aller.
Bon, c'est un véhicule très puissant qu'ils ont également. À l'unité qui était sur le bord de l'autoroute, si vous avez fait le plein, le véhicule arrive sur vous. C'est un véhicule orange Reinhardt. 10-4, capitaine. Bah, dites-lui que non, en fait. Du coup, t'inquiète pas, je m'occupe de Cole là. Ah, du coup, il est sorti. Le véhicule est très très puissant. Attention, Reinhardt, on est en train de partir vers Sustancia Road. C'est au niveau de la route niveau sud-est. Et nous sommes en train de redescendre vers le sud. Je vais vous demander de me préparer en bas. Il roule trop vite, commandant. D'où sur la Sustancia Road, commandant? Retourne en ville. Los Santos, retourne en ville. On va retourner en ville vers 9338. Ah bah l'entreprise, c'est déjà trop loin. T'es bridé là, t'es à fond, t'es équipé, fond, toi. Je suis à fond. Mais t'es au max de ta performance. Ouais, je suis au max là. Ouais. Mais c'est pas possible. Attends, l'autre coup, je l'ai augmenté la puissance de ta voiture. On a un perte de l'individu au niveau. Il est plus bas, il est plus bas. Va au centre de ce custom, mec. Tu peux faire une custom de niveau 4 pour toi. Mais oui, mais en fait, ça... C'est ce qu'on avait fait, mais après vous avez retouché vos performances, mais je crois que tu es déjà en niveau 4 là. Ah non, alors moi j'ai l'accentué. Bon, déjà il va le réparer déjà aussi. Oui. Excusez-moi, j'ai. C'est 4 Tango. Il va falloir que je rebaisse la performance de toutes les voitures là. Putain, mais c'est trop. Toutes les voitures elles sont bien, tu vois, c'est juste. En fait, là je pense qu'il va falloir que j'augmente la performance de toutes les voitures de flics en fait. Là, quand tu vois là, en fait, quand ligne droite là on se fait péter comme ça, c'est qu'il y a vraiment un souci. Bah on devrait au moins les tenir quoi, même pas aller plus vite, mais au moins les tenir. Ah oui, clairement, bien sûr, mais en fait non, là c'est pas possible. Et en fait hier j'ai eu le cas aussi avec une course poursuite, j'étais Caroline, je sais plus quel véhicule, les Porsche en custom 4. Charlie fin de patrouille autour de ça la. Ça prend 2-10 devant, et en fait heureusement qu'il y a une bride de serveur. Hein. Et c'est pour ça la V2 elle va vraiment faire du bien parce que tous les véhicules vont être vraiment. Il est là le. Bah, attends, je vais appeler. Il est ouvert le Fred? Oh, je crois pas que Fred soit ouvert. Non, je ne l'ai pas ouvert. Bon, bah, allez, c'est Beniz, oh pardon. Ça sonne, j'appelle. Oui, Beniz, bonsoir, je vous écoute. Ah. Oui, bonsoir, le commandant de police au téléphone, j'aimerais passer chez vous. Vous êtes ouvert actuellement? Oui, je suis ouvert, j'arrive tout de suite. On arrive, c'est très bien, merci. Allez, go, Beniz, c'est ouvert. Beniz, on est là. Hop, Vespucci. Bon, tu prends ton dos là, vas-y. Ils sont en poursuite devant? Je crois que oui, attention! Oui, ça poursuit quelqu'un. Hein. Et ils se font poursuivre aussi. Hein. Ah non, c'est un truc. Ah oui, c'est quoi? Pourquoi on est pas au courant de ça là? C'est les saisies. Si, c'est 16 normalement qui s'occupent de ça. Ah, ok. Je suis déjà au garage à 93. Ah, il faudra récupérer la collecte d'impôts, ok d'accord. Oui, ok. C'est 16. Okay. Oui, bien sûr. Eh bien le bonsoir! Allez. Bonsoir. C'est beau hein quand même hein, regardez-moi ça. Ah oui c'est magnifique, oui, en effet. Bonsoir messieurs, voilà. C'est pas vous qui travaillez ici, si? Ah non pas du tout, on l'a appris, il devrait arriver normalement. Waouh. Sacré convoi. C'est vous le mécano? Tous les jours qu'on voit ça. Tu peux revenir avec moi? Ouais, il va attendre un peu le gouvernement, vous inquiétez pas. Faut prendre le véhicule de Martouf, là, le 4x4, là, vous me faites une full custom de niveau 4, là-dessus, là. Pas tout, hein. Comment ça va? Bonsoir, mes respects. Ça se passe bien, ça va? Bonsoir, monsieur le procureur. Vous allez bien? Bien, et vous, capitaine? Alors, la récolte est bonne? Quelle récolte? Ah, on récolte. Vous faites pas les impôts, là, aujourd'hui? Ah non, du tout. Ah non, c'est convoi de réparation de véhicules. Ah, bah ça, c'est bien, ça, il faut, hein. Ah bah faut profiter hein. Est-ce que je disais on n'est pas au courant qu'il y avait une récolte, c'est pour ça que je me disais bien mais. Non rassurez-vous, ce sera dimanche. Bon bah parfait. Bah... Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourquoi j'ai mon jeu très sombre? J'ai un problème je pense de graphisme. Qu'est-ce que je fais? De parce jeu. Qu'il faut que je justifie mes déplacements maintenant monsieur. Ah bah vous allez encore faire une récolte d'impôts. Oh vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Non vous inquiétez pas, je sais que c'est dimanche, vous inquiétez pas. À moins qu'on soit dimanche, là je suis pas. T'en sors dans tes trucs là, je savais que t'avais déménagé de maison et tout ça là. Peut-être
que vous voyez mieux. Ah bah oui, ah oui, avant que j'oublie. Mais elle est saisie, non, pour le moment, je sais pas. De l'aménagement et du... Ouais, je connais. Du coup, c'était déjà en niveau 4, non ? Tout était déjà niveau 4, ouais, et vos suspensions aussi. Ouais, alors, ouais, peut-être que j'enlève vos suspensions. Peut-être que les suspensions, ça joue un peu. Ouais, bah essayez. Je vous les enlève. Allez. C'est pas les voitures là-haut. J'ai plus de garage dans ma maison donc. Commandant ? C'est bizarre. Commandant ? Ouais, dis-moi. On était déjà niveau 4. Et il a juste enlevé les suspensions. Peut-être que ça fait ralentir, mais je suis déjà à fond. Ralentir. C'est déjà à fond. Hein. Ouais, il me semble que c'est moi qui l'avais fait. Bah oui, je me rappelle, oui, mais. Allez, Fredo, merci beaucoup. Hein. On se voit merci plus tard, beaucoup. Mec. Ça marche, bonne soirée. Je vais faire une fête à ma nouvelle maison. J'espère que tu viendras. Et voilà. Combien on vous doit du coup? Dès que j'allais te voir l'enterrement de mes défunts. Si je fais bien faire le calcul, je fais la facture avec qui? Moi. On s'en décédé un peu là. Ok, je vous mets la facture avec elle. Marteau, Francis. Y'a pas de soucis. Du coup, pour la custom, 1400. Voilà. Ouais, encore, t'as pas vu ma bite. Hop là. Impeccable, on va tester ça. Merci. Allez, bonne soirée à vous. J'arrive tout de suite, tout le monde. Bon, je suis pas sûr que ce soit mieux, mais on peut tester. Non, laisse tomber, je vais m'occuper de ça. Genre... Ah, on dirait qu'il part un peu plus vite là, non? Vraiment. Ça dépend. Non. On se dépare. Après, on est deux aussi, hein. Et vous avez des mucles, hein. J'insinue quoi, là, Martouf? Que vous avez des mucles, et les mucles, c'est lourd. C'est ton CD de merde que t'as mis dans le poste CD laser. Ah, vous voulez que je vous la remette? C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas mis, elle est charmée. 22! Hop. Ah, je l'ai remise. En fait, Martouf, oui. Je vais te montrer quelque chose. Voilà, là. Allez, vas-y, voilà. Hop là, bah j'ai glissé. Ça marche plus aussi. On est arrivé! Alors viens avec moi. J'ai laissé la radio allumée. Ah, ça fait générique de TV, effectivement, ça pourrait être un générique. Hein. Bonsoir, monsieur! Alors attends, tu vas prendre. Oui. Normalement. Attends, non, je peux pas emporter autant. Tu vas acheter un porte-clés. Ah, je connais ça. Voilà, je tu vas acheter normalement un portefeuille. Un portefeuille, de quoi? Je sais, je connais. Ah, ça, on a fait nous-mêmes, on a tout créé. Oui, je sais bien, mais c'est ce qu'ils avaient sur d'autres serveurs, c'est très pratique. Ouais, alors attends, parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que je peux pas... Ah si! Oh putain, oui, je viens de comprendre. Oh, c'est trop bien. Une fois distributeur, j'ai pas assez de liquide. Attends, je vais te donner. Oui, donnez-moi. Attends. Un petit peu, hein. Au moins. Pourquoi j'ai deux portefeuilles? Au moins 200 $. Donnez-moi 200 $. Attends, je vais te donner l'argent, mais le problème, c'est pas ça, là. C'est que. Bah, 200 $, ça m'irait très bien, hein. Je te donne 200 $. Ah. Je te donne 2000 $. Par contre, tu gardes la monnaie, mais on en parle. Ah, merci. Bah, bien sûr, je garde la monnaie.
Je vous offrirai un cadeau avec la monnaie. Ça, ça viendra de moi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ah, il y a un bug au niveau des... Ok, ça marche. On peut la stacker. Ok, je comprends. Il faut que je comprenne comment ça marche. Alors regarde, tu vas sur le... Ça c'est le porte-clé. Ouais. Tu regardes un peu à droite. Ah oui, je l'ouvre. Le porte-clé. Ouais, je voilà. L'ouvre. Ben oui, et de là, en fait, regarde après à droite. Sur le ah clé. Et je range les paperasses dedans. Voilà. Je peux mettre mon préservatif dedans ? Nickel. Je peux mettre une rose dedans ? Nickel. Ah, je suis très content de la je peux mettre un cigare dedans ? Bien sûr. Non, 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 faut que tu mettes que les trucs. Je peux mettre mon pistolet dedans ? Bien sûr. Je peux mettre mon gun dedans ? Bien sûr. Commandant, faut... il est trop lourd le. 1,7 kg, c'est trop lourd. Hein, pour... Ah bah oui, c'est des petits trucs. Hein. Oui, mais bon, ça veut dire que ça veut dire les mecs ils vont planquer des trucs dedans. Hein. Planque pas une arme non, dans non, un portefeuille, non, commandant. Non, parce que l'arme elle fait 2,6 kg. Non, 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 bah le taser il rentre. Hein. Il fait 227 grammes. Hmm. Même pas ma pièce d'identité, je comprends pas. Oui, l'orage. Pas même pas entendu. Ouais, bah c'est un petit truc qu'on a fait cet après-midi. Non, mais c'est très bien ça, j'aime bien. Bon, on va l'améliorer, bien sûr. Bien sûr, on va l'améliorer. Mais bon. On avait ça sur le chef, c'est trop bien. Avec le petit U. Oh, j'ai compris, le petit U. Pour remettre les clés de voiture, Martouf. Oui, le petit U comme Utopia. Allez. C'est beau. C'est même le logo, tu as remarqué? Ben c'est oui, c'est pour ça. C'est une dingue, hein. Ouais, ça va. Ah, tu vois, ça voulait braquer ici, ça monétait, là, dommage. Vous croyez? Ou ça a écouté peut-être ma musique? Qui avait la radio d'allumer. Allez, vas-y. Unité Charlie, on part en 10. J'aime bien les petites améliorations qu'ils rajoutent souvent. Au niveau du Life Invader. Vas-y, on va les aider. Au niveau du life, on est pas loin. Oui. Bon, il était Caroline, on est pas loin, c'est quoi le problème? 4. La vache, c'était derrière. Mais oui, mais on aurait un descriptif du véhicule. Merde. Là, on l'a vu passer, mais on n'a pas le descriptif, alors forcément. Là, on est derrière le monde en PD. 4. Qu'est-ce que c'est une Mustang? On passe en 10-39, la personne s'est arrêtée sur le côté. Est-ce que le véhicule, s'il vous plaît, on se met sur le trottoir? Monsieur Razor. On va dire tiens le permis à Monsieur Razor. À chaque fois. A chaque fois qu'il y a une voiture qui roule vite, il est dans un véhicule différent, et à chaque fois c'est Monsieur Razor. Il est incroyable. On arrête d'être gentil, hein, Monsieur Razor ou pas, vous lui vous l'amendez ce qui, pour tout ce qui, pour ce qu'il vient de faire. Hein. Ah putain, mais c'est pas possible d'être sourd comme ça. 17 pour Capitaine 22, 10-09. Donc je disais... Monsieur Razor, ou si c'est un pote à vous, peu importe, vous amendez. 14, capitaine. Monsieur Razor, c'est pas la première fois qu'on l'arrête avec cette vitesse ou je sais pas ce qu'il vient de faire, mais bref, amende. Hein. Sûr, ça marche. Je ne veux plus de c'est mon copain, gna gna gna, peu importe qui c'est, hein. Vous amendez. Même si c'est un collègue d'agent du LSPD, vous amendez. Merde. 17, capitaine. 17. Non mais faut rapporter. Faut rapporter des sous dans les caisses hein, si vous voulez être payé. Hein. C'est bon, il y a un braquage là. On y va, on y va. Unité Caroline, on prend le braquage. 17. Je te parlais que quand on arrive là-bas, c'est une Porsche noire et orange. Ah ouais, vous croyez? Vous croyez, vous croyez?
Par-dessus la troisième corde. Bon bah ça c'est TikToké hein, ça c'est un TikTok hein, c'est un TikTok hein. Oh, je pensais pas que ça allait faire ça quand même. Là c'est... Je crois que la création Utopia c'est le plus gros accident que j'ai vu hein. Je sais pas quoi te répondre hein, vraiment Martou. Vas-y comme ça c'est tout, on dira que la grêle qui est tombée J'ai glissé chef. Ouais mais la grêle hein, ça c'est... Attendez, avant d'aller, je vais faire le plein quand même. En espérant que... Bah, c'est sûr, après je me demande pourquoi Defender il roule pas beaucoup, mais bon. Attends, je te le réparerai là-bas. Je me suis envolé, commandant, sur la tête du motard quand même. Hein. Ouais. Vous notez combien cette artistique 22 sur 20. Bah, oh moi je dirais que t'avais un Defender et maintenant t'as un Defender. J'aime toujours cette blague. Ouais. Oh 22 au moment que ça s'envole. Capitaine 22. Oh merde. Pour le clip, parfait hein. Ouais c'est parfait là. Ah oui, c'est bien hein. Est-ce un avion? Est-ce Superman? Non, c'est 22. 05.97. Tu pètes les plombs, Martouf. C'est vrai. Écoute. Le clip, vous pouvez le mettre dans Discord. Il y a Best of Kiki normalement. Au niveau de l'armurerie pour le. Ah bah ben voilà, Quentin, merci Quentin. John, reprise 10-41, tout secteur. Vous réparez le Defender, commandant, ou pas? On y va comme ça. On y va comme ça? Ah bien, on y va comme ça. Ouais, c'est pas ça, toi, je te l'apprends. Je suis quand même fort, hein. Vous en faites pas des comme ça, hein. Vas-y. Voilà. Eh bien bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Allez on y va là. Non mais tu vas un coup de pare-buff? Bon, non, c'est bon. Alors avance. Voilà, ouais, fous lui un coup de pare-buff honnêtement dans la bouche hein. Là après la droite là, ok. Prochaine à gauche. Ok, à gauche encore. Le réservoir central, pour l'instant, le dernier braquage que tu reçois en 10-31 sur un véhicule noir à bande bleue. Nous sommes en train de redescendre de Vinewood, direction sud-ouest. 4, nickel. Et unité Charlie, fin de 10-31, reprise de 10-41. Et pour monsieur, pour capitaine, monsieur Matrazor a été amendé de 1000$. Ouais, 10-4, on va repasser en 10-24, au niveau des positions, 7119. On redescend vers la base des cubes, direction 10-4, sud-ouest. 0. Power Street. Ça glisse, hein, la pluie. Occupation Avenue. Tudum. Tudum. Nous sommes baisés là. Ah, ils sont pas là, on se rend sur la dernière. Disquette. Il est tout celui, c'est lui. Oh, ok. 8160, on va vers le PDM moto. Disquette, on est à côté. 500 mètres. Il va prendre à droite, la petite ruelle, non? Ouais, bien sûr. Mais elle va prendre la droite là, regarde, voilà. Fais gaffe, il y a un gros coup, il va tomber sec. La dernière arrière. On est sous le pont au niveau de San Andreas Avenue. 10-4, on est derrière vous. En P2.
Ah, qu'est-ce que tu fais, un marteau? Mais ça glisse, sa mère! Bah ouais, c'est le problème. Go, go, tout droit, tout droit! Il allait tout droit, il allait tout droit, vas-y, vas-y, prends-le en disque à travers. Je le vois au loin, vous le voyez? Il a pris à droite. Je pensais qu'ils allaient le bloquer. Oh non, on aurait pu oh le bloquer, non, on aurait oh pu non, le bloquer là. Oh on aurait pu le bloquer là, c'est largement dommage. Largement. Vous voulez? Ok, on prend P1. 10-4, on est en P2. Rentre pas là parce que je te jure, je te mets un coup de pare-buff. Je déteste ceux qui rentrent là. Je croyais qu'on allait tomber quand même, hein. J'ai peur qu'il freine pas le Defender. Allez-y, tournez. Qui tourne. Oui, presque demain. Toujours en 10-31 sur le Defender. Pas dû freiner. Nous sommes pour l'instant Capital Boulevard, direction dans l'ouest. Je vous jure, je fais plus freiner. Toujours en P2. Prochaine avenue, on va se diriger vers le PD, vers l'unicorne. Droite. Les 50 de l'individu. Ah, mais t'écoutes pas le feu là. T'écoutes pas le feu. Allez, roule! Y'a pas de caméra, encule-moi ça! Ça passe. Commandant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, là il bougera pas. Encore un peu, et la station, encore un peu. Voilà. Ça va, ça appelle touché. Oh, le cinéma. Charlie, 10-20, s'il vous plaît. Oui, on est à la station essence. Juste la vidéo qui a l'air dans la voiture. Bonsoir. Oh oui, ils ont mal un peu. Oui, il a mal aussi, lui. Vous voulez les EMS? Aïe, ma tête. Besoin de taper. Besoin des docteurs? Bah oui, bon, ça a tapé si vite que ça. Vous êtes tapé si fort que ça? Ah, mais j'étais pas là pour est-ce que vous me tapez, oui. Ah, bah oui, ça, ouais, le coup du lapin, quoi. Oui, effectivement. Aïe. Gardez, appelle les EMS, on a deux blessés. 10-4. Comment ça, tu sais pas? Oui, monsieur, oui, tout à fait. Voilà, les pizzas, les anchois, tout ça. Écoutez, je passe les prendre d'ici un quart d'heure, c'est bon, merci beaucoup. Je doutais que c'était. Le réservoir all unit, je vous veux tous au poste de police 17 minutes. 4. Je vous remercie, à tout de suite. On va faire ça sur place là. Vous leur mettez une putain d'amende, vous récupérez ce qui a été pris, on va avoir quelque chose d'exceptionnel. Martouf, je peux te voir. Oui. Les EMS arrivent, capitaine. Super. Moi c'est commandant. Donc amende pour les. Non mais c'est moi qui ai demandé les EMS, ne vous inquiétez pas. Vous les fouillez, vous récupérez l'argent et vous les amendez de l'amende pour braquage de supérette. Bien évidemment, vous oubliez pas de le marquer dans le casier quand même, hein. 17 John, 10-19. Oui, mon commandant. 10-4. Encore. Il y a un appel particulier là. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ça disait, si vous voulez le pactole, venez en 71-44 et poussez les portes du paradis. Le pactole? Pactole, oui. 71-44, c'est où ça? Regarde ça pour toi, on va préparer des hommes, on va y aller. Le pactole, c'est. Le pactole, ça serait le. Braquage de supérette, hein. Sans otage. Vous me les finissez. Bon, ils ont été accidentés, hein. Ils ont eu un sacré accident. On les a suivis jusqu'ici, ils sont sortis très vite de la rue des. Merde. Ça Martouf, hein. Ils sont sortis très vite au niveau de l'unicorne. Et oui, c'est ça. Ils ont perdu le contrôle. Ils sont et je les ai poussés un peu au pare-buffle au cas où pour bien les arrêter. Non. Ma tête. Oui. J'ai mal à la tête, monsieur. Voilà. Oui. J'ai l'impression qu'on a tapé ma voiture. Ah oui, bah oui, bah je l'ai poussé jusque là, hein. Pour pouvoir l'arrêter. Vous voulez me tuer. Bah non. C'est à cause de vous, du coup. Mais non, c'était pour vous bloquer, au cas où. Unité. Mais il y a une station devant. Bah je vous ai pas lancé dans la station non plus. 4, 6. Bah vous avez pas explosé, hein. Oh. Parce que je suis descendu. C'est fou l'exagération, hein. Rick pour Albert. J'ai besoin d'une ambulance aussi en 9051, station essence.
Il est vachement beau ce Defender quand même. C'était hein. Tango 19. Unité Caroline 10-19. 10-4. Unité Tango 10-19 effectuée. 10-4. Quatre-vingt-treize pour 29. Vous êtes arrivé à destination. Merci d'avoir choisi le capitaine 22 à bord de son Defender. Vous êtes. N'hésitez pas à me donner une note sur. Oh, allez. Razor. Toutes les unités au dispatch immédiatement. Tenue de combat. 10-4. Ouais. On finit la procédure avec les indus à la station et on arrive en ambulance. Y a pas de munitions, y a rien du tout. Faites-moi un joli RI, hein, sur eux. Vous prenez le nom, prénom, tout le bordel, vous me laissez là, on a autre chose à foutre. 10-4. Y'a pas besoin de rapport d'intervention, on les a arrêtés, vous mettez juste casier judiciaire. 10-4, ça va faire un ajout sur casier, on a pris les pièces d'identité, amendement et ça a été fait. Parfait, bravo. Parfait. Le cadet 9 mm et il est pare-balles. Arme lourde, positive. Reçu. Marche ma SMG. Excusez-moi. 11-18. Pardon, le capitaine, il rentre, reculé. On va partir en mission top secrète, là. Tu es obligé de partir? Excusez-moi, mon capitaine. Ça marche, bonne soirée. Je vais passer des armes. Sacré d'écouter. Ça n'a rien de tout, tu te referas. Unité Charlie 19. Je pense que c'est comme si tu allais te coucher avec une dame qui te disait que t'allais forcément la serrer et qu'elle s'endort avant toi. 10-4, ouf, c'est dur. Ah ouais. Tu peux même donner la tenue, s'il te plaît? Bon, si ça va passer, je suis pas sûr. T'as 26! Tenue souhaite, mon commandant. Oh, ça pourrait aller pour la troisième et dernière fois, oui! Pour... Arme lourde! Un masque. Est-ce que ça va durer longtemps, mon imminence? Sale Dieu le sait. Amen. Il n'y a pas marqué police sur cette casquette-là, tiens. Lourde, tenue lourde, Zaden, hein? Ouais. C'est tout ce qu'il faut dans le coffre. Attendez, je vais mettre la tenue lourde, moi. Oui, s'il te plaît, Martouf, merci. Vous savez où est 17? Je crois qu'il est là. Vous savez où est 17? Je suis là. Tu pourrais me donner les codes de... Enfin... Allez, préparez-vous. Top. Allez, go. D'accord. Moi. Allez, top. Vous me dites quand vous êtes prêts. Ok, on enlève son masque. Merci Gabriel, content que ça plaise. Ouais, je reviens, j'ai un petit problème. C'est mieux. C'est vrai. Enlève ton casque, masque. Ah, mais attends, du coup, j'ai plus mon pompe. Moi, non, Caroline. Faudrait le manger. Tu pourrais me chercher un fusil à pompe avec une vingtaine de cartouches. Ok, merci. Me prends le canoncier marqué MP dessus. Un malou le bol qui tue. Je crois qu'il y en a plus gravé. Vous voulez genre gravé? Ah merde, ouais, tu m'en feras graver. Ok. On m'en fera graver une petite dizaine pour mes collections personnelles. J'ai cru que c'était 0-1 lui. Oh là là, t'allais te faire insulter. Hein. Il est où le cadet là qui est gros mais à la fois maigre? Choji. Et maigre. Pardon? Waouh! Maigre et gros. Waouh! C'est pas possible. Vous avez compris quoi? Quoi ça, j'ai pas de bon masque. Oh là là. Ça va? T'es obligé d'attendre. Okay. Priorité aux femmes quand même, ils auraient pu laisser rentrer 93. Hein. Allez, quoi. Je peux y aller ou pas? Oui! Il regarde pas. Ça va pas prendre 3 heures. Il est en pyjama, l'autre! Mais je vais dormir, capitaine. Ah bah, bonne nuit! Voilà, si vous avez vu, c'est ton même pyjama. Bonne soirée à tous! Et bonne soirée à vous! Paul. La bise! Pas obligé non plus.
On va voir si je mets ma main à l'envers, est-ce qu'il va savoir que c'est moi? C'est toujours moi qui mets le, normalement à l'envers. Est-ce qu'on peut avoir un dispatch sans qu'il y ait un golemon qui frappe? Ça te fait rire? Désolé. Bon, c'est un qui s'arrive. Ah bah tiens. Oui mais moi j'ai le droit, je suis le capitaine. J'ai été puni, ouais, décale-toi. Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la bagarre? Allez, garde à vous tout le monde, et silence. Ils veulent la bagarre? Et j'étais infiltré, même 05 il a pas vu que c'était moi, il m'a demandé d'enlever mon masque et mon casque. Ouais, super. Très bien. Allez, on y va. On n'explique pas d'abord où on va ? J'ai un peu chié le B, on dirait un peu une bite, mais c'est pas grave. Ok. Ça c'est cassé, ça. Messieurs, tu n'as pris que 12 cartouches, c'est suffisant, ça? Non, un petit peu plus, j'ai chié. Ok. Capitaine, si vous cherchez pour l'armurerie, il faut faire un Monsieur. Petit dodo. Non, 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 je l'ai, t'inquiète pas. Ah, très gentil. Encore. Non, il n'y a pas de... Merci. Non, c'est parce que moi, je l'ai une fois sur deux. Si vous souhaitez toucher le pactole, rendez-vous en 7144. Poussez la porte et le paradis se trouve derrière. Ça veut dire qu'on va peut-être vers l'enfer. Bon. Ou alors peut-être que c'est une délation et que quelqu'un nous a laissé un petit cadeau là-bas. Pour une M4, moi. Voilà. Top, inter départ, 23h30, précise. Vitesse de croisière, 80 km/h. Nous avons 8 minutes. Je veux qu'en 3 minutes le plan soit détaillé et en 5 minutes vous ayez tous une voiture. 3 personnes par voiture. Est-ce bien clair? Affirmatif. Bien, tout le monde prend sa carte. Je vais ranger mon arme parce que j'ai fait une connerie. Moi. Posez-la. 7144 se situe au-dessus de Hawick Avenue. C'est au-dessus de Los Santos Custom. C'est un endroit que nous connaissons bien. Ok, oui. Arrivé là-bas, je veux que la petite route qui est entre Hawick Avenue et la Spanish Avenue, c'est-à-dire entre 7143 et 7144, soit bloquée. Je veux que nous puissions être les seuls à traverser. Je veux qu'une équipe reste derrière le 7144, parce qu'ils peuvent fuir de là-bas. D'accord ? Donc San Vitus Boulevard. Exactement. Une équipe de 3 personnes qui lèvent la main maintenant, vous mettez sur le côté droit. 1, 2, un troisième qui lève la main, 3, super. Pour la personne là, vous mettez contre le mur à droite là-bas, vous serez la première unité, vous êtes l'unité faucon. Même si vous êtes des vrais cons. Vous voulez pas prendre ce qu'il y a en radio, ça va être compliqué sinon pour oui. Si vous changez commandant. Non. Mettez-vous en Fitzgerald. Ouais, en Fitzgerald. Ensuite, les autres unités, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y aura l'unité de 2. Ah non, c'est bon, ils sont 4 là-bas, 2, 3. Ah merde ! Excuse-moi. Vous me faites 3 équipes de 3 dès maintenant, vous 3 là. Allez, Zouk. Unité John, excuse-moi. On reste unité John du coup. Unité John avec moi. J'en ai rien à foutre de qui vous êtes, vous me faites 3 unités de 3, c'est tout. Et il y aura une unité qui va se placer en dessous. Du coup, sur Hawick Avenue, en dessous de 7144, pardon. D'accord. Oui, Hawick Avenue, à l'angle de Hawick Avenue, oui. Quelle unité? Là, ce qu'on parlait d'unité, là. Allez, levez la main. Super. 1, 2, 3, super. 93, 05 John, et le maigre, le squelette, là-bas.
Voilà. Ok, unité John. 08. Unité boule qui tue la mienne. Moi, Zaden et Martouf, on attaquera de front. Tout le monde a une unité là ? Tout le monde est. Qui n'a pas d'unité ? Il nous reste normalement deux unités de 3 personnes, c'est bien ça. 13, c'est avec 0,5 normalement. Unité Charlie. Vous serez de front avec nous. Et derrière Charlie, la dernière unité. Vous serez donc. Donnez-moi un nom d'unité, s'il vous plaît. Bravo. Il n'y a pas bravo. Trop tard, j'ai mis Kennedy. Kennedy, parfait. Je répète, unité Fitzgerald, nous arrivons environ à 40 là-bas. Vous vous placez derrière le 71-41 environ. Vous surveillez la zone. Vous vérifiez voir si personne ne part en courant. Unité John, vous prenez sur la Lawick Avenue à la, en dessous, ok, de 71-44. Vous êtes au niveau de la rue. John, non, pardon. Unité Charlie Kennedy, vous attaquez avec nous. Unité Caroline, les ordres seront donnés sur place. Un seul mot, un seul pas de radio, un seul prout, une seule connerie, c'est une balle dans la tronche et vous dégagez de la police dans ce sens-là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Affirmatif. Affirmatif. Nous avons encore 4 minutes pour nous y préparer. Ouais, boulot, il nous faudra, là, si vous avez bien compris, 1, 2, 3, 4, 5 voitures. J'irai comme ça. Nous ne prenons pas de grosses voitures. Merci Sky. Pardon ? Tout le monde met des plaques. Ah oui, des plaques. J'allais venir. Il va falloir que les unités qui sont avec nous prennent des plaques. Les autres qui êtes aux extérieurs, c'est-à-dire Fitzgerald et John, vous ne prenez pas de plaques, vous avez vos véhicules pour vous cacher derrière. Là, c'est pas drôle parce que là, vous avez niqué. Peut-être qu'il n'y aura rien là-bas. Vous avez niqué une scène, là, les loulous. Je vais gavaliser une prière. Donc là, je vais quand même changer les munitions, mais en fait. Faites en sorte que ton nom soit sanctifié, mais surtout que mes soldats restent en vie. Ce soir, tu nous envoies une dure épreuve. Nous l'acceptons avec vous. Vous me beaucoup, dites, ah, j'ai pas pris les munitions. J'ai pas remarqué que j'avais pris les munitions. Je suis arrivé comme un con là-bas. Ça aurait été drôle, là, commandant. J'ai plus de munitions. Je vais donner la grâce éternelle ainsi que la puissance pour que nous puissions. Là, vous avez tout niqué dans cette scène-là parce que maintenant, c'est plus drôle parce que je le sais. Le fait que la police sera toujours victorieuse. Vous vous loupez des TikTok ou des scènes drôles. Amen. Et une pensée de 30 secondes pour nous se cacher. Je fais pas. Laissez faire. Vous le voyez, dites pas. Vous dites, oh putain, le con. Et puis c'est tout, tu vois. Mais ne dites pas que des choses comme ça, les loulous, parce que du coup, vous niquez des bêtises que je pourrais faire et qui pourraient vous plaire et vous faire rire. Là, je le sais, ça va pas être drôle, donc je vais faire les munitions. Ah ben, mais... On y va, tout le monde au garage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave, mais faites attention, parce que moi, je lis le chat, je regarde quand même le chat. Alors des fois, je vois pas tout. Mais là, je l'ai vu, en fait. Et du coup, bon bah voilà, je prends les munitions qui vont avec, je crois que c'est ceux-là. Dans la M4, c'est le 5,56. Hein. 5,56, capitaine. Oui, parce que du coup, je me dis, tiens, j'arrive pas à recharger. Les calais doivent avoir au moins une arme de poing. Parce que j'avais pas les bonnes. Disquette qui vient de me voir tout de suite. Vous avez entendu en radio, donnez une réponse, bordel. Combien on met dans la M4 de munitions déjà ? 24 ? 22 ? 24 ? Non, 30, c'est des chargeurs de 30. 30 ? Ok. On est là en ligne. Enfin, je vais prendre 2-3 chargeurs. Quand vous avez votre arme, merci. Dans l'émission après. Monsieur le formateur. Ah, oh, mais t'es passé devant. Donc ah, pardon. C'est pas grave, t'auras PPR au supplémentaire. Merci. Tout le monde là ? Merci, et en termes de balles ? Eh, 2 secondes. Bah, attends, c'est le lieutenant qui va te les donner. T'entends quand je te dis que tu décales et je te donne les balles après ou ? Tu viens me tirer avec l'arme de la vie. J'ai pas de claque par contre. C'est le bonsoir pour apprendre. Tu veux que je m'occupe des plaques ? Je leur donne des plaques ? D'accord. Allez-y, je leur donne des balles. Ok, moi je donne les plaques. Moi j'en ai pas. À 2 secondes. Attends, 2 secondes. Alors, 93, qui a besoin de plaques, venez me voir. Ensuite, merci. Le nom. Merci. James Lockwood. Shamar Cooper. Le nom. Amar Cooper. Parfait. Qui d'autre ? Moi. Je vais le mettre tout de suite. Merci Cox pour ton abonnement. Bienvenue. Et Rome pour les 200 bits. Non. 15% d'unité Kennedy. Je vous attends dans le garage. Rome fait les pleins d'essence. Nom de Zeus! Oh Rome qui offre 10 abonnements! Merci Rome d'offrir 10 abonnements à la communauté! Et avec 0,5. Avec moi, donc tu te manges.
C'est bon pour les... Tout le monde a ce qu'il faut ? Oui, c'est bon. Moi, je suis pas rentré une question. Merci pour les 200 bits ! Rome est énervé ce soir ! Par contre, Charlie, on est l'unité qui va avec le commandant. Hein. Vous mettez pas 0,5 à l'arrière ou quoi ? Je sais pas à quelle unité je suis. À quelle unité je suis. Écoutez, j'aime hein. L'argent. Bah, merci pour les 1000 bits. Tout à l'heure, j'ai dit est-ce que tout le monde a une unité ? Personne n'a répondu. Donc, au bout d'un moment. J'ai vu la main. Ah bah, t'aurais pu le dire, j'ai pas d'unité. On va trouver, t'inquiète pas. Okay. On prend Caroline, commandant ? Oui, en effet. 36 pour l'unité Kennedy à votre voiture. Merci. Oui. C'est bien ce que fait Jaden de donner un le lead d'une unité à une personne pour la radio. C'est très oui, très bien. Oui, en revanche, bien. J'ai une question là parce qu'il y a un problème. J'ai prévenu le procureur du coup de ce qui allait se passer. Oui. Ah, il y a des problèmes de lumière là. Et puis, vas-y, monte. Ah, mais j'ai pas de bouffe moi. Putain, faut 30, top départ, on va y aller. C'est bon, je m'occupe de toi. 10-4. Je vais faire quelque chose par rapport à ça. Les agents là, le dépêchez-vous. Celui-là qui a pas d'unité, il trouve une unité. Oui. 15 pour Kennedy, je suis toute seule. Ouais, 15 vient avec la figurale si besoin. Les gars, je voulais vous le dire une fois. Je pense que j'ai été bien clair et explicite pendant notre mini dispatch. J'ai donné 3 personnes à chaque unité. Il en manquait, commandant. Bah tant pis, s'ils en manquaient, ils attendent là, ils s'occupent d'autre chose. Ça n'a pas de sonner en dispatch, on parle avec les effectifs qu'on a. On n'a pas le temps que c'est comme ça, on faut pas laisser l'ennemi s'installer. Mais non, mais quand en fait on a fait un dispatch, dans le dispatch il y avait des gens, ils n'avaient pas d'unité, on les a pas attribués. Donc là ils vont s'attribuer, vous inquiétez. Mais après ça a de se mettre, je veux dire, putain, les formations. 36 pour 15, t'as qui dans ton unité du coup? Les 4 voitures sont-elles prêtes? Affirmatif pour John. Je veux un check, Fitzgerald. 15, j'entends que toi à la radio pour ton unité, ok? C'est bien ce que tu as fait de donner des trucs, c'est très très bien, Jalen. Je répète, je procède à un check. Fitzgerald. Check. John. Check. Charlie. Check. Kennedy. Check. Caroline. Check. Top départ. Tout le monde sait où ils vont, hein? Encore deux. Ouais, ça s'entend quand même. On connaît bien les lieux. Donc, on a déjà fait ça. Et après, voilà, on connaît bien les lieux, donc on sait qu'il y a des maisons au-dessus, on sait qu'il faut faire attention au toit, ces choses-là. On n'a pas trop le temps de briefer les hommes, mais tranquille. Moi, j'ai prévenu le proc pour qu'il nous rapporte un mandat d'arrêt là-bas. J'ai dit, on vous appelle si on voit que c'est calme, quoi. Et c'est pourquoi concrètement? Je te dis, pendant l'espace, j'ai reçu un appel qui disait. Le pactole est là-bas. Le pactole, t'as qu'à pousser les portes et le paradis se trouve derrière. Ok, c'est pas trop genre de métaphore. Justement, c'est peut-être un piège. Ou peut-être que c'est pour nous tuer et nous envoyer au paradis directement. Donc justement, un piège. Ouais, c'est pas faux. Et le pactole, ce serait un rapport avec les impôts qui ont disparu du gouvernement? Peut-être. Je sais pas pourquoi les impôts ont disparu. Ah bon, les impôts ont disparu? Oui, les 3 millions. Ah, de monsieur Gracia. Ah. C'est encore autre chose. Arrivez dans 500 mètres. 200 mètres. Moi, je pense que tout est lié. Vous mettez en place dès maintenant. Pour chaque unité, je veux un en place quand vous êtes placé. Et Caroline, on est en place. Kennedy en place. Et Gerald en place. Une voiture en haut, une voiture en bas, on bloque la route, j'ai demandé. Bien, ça a l'air d'être calme. Charlie en place. John en place. Bien pris, on va commencer à se mettre en place les unités qui viennent avec nous en front, vous vous mettez avec nous. Donc John, Charlie et Kennedy, on vous attend derrière nous. Pour l'instant, c'est désert. Monsieur. 5, mon éminence, John, on est censé rester bloquer la rue. Oui, en effet, tu as vu, juste c'était un piège. Coup de feu. Waouh. C'est qui le coup de feu là? Pour les coups de feu, c'est un abri. C'est moi, désolé. Oh, fais attention, ouais. Quand tu mets le masque ou quoi, faut enlever l'arme. Avec le flingue, c'est un problème, ça. Bien, nous allons avancer et nous allons avancer par colonne. Soyez prudents, nous connaissons les lieux. Généralement, ils opèrent depuis les toits. Non. Nous avançons, top. Nous pénétrons la zone. Je ferme la marche, commandant. Allez, on y va, là. Reste pas derrière, allez.
Allez, suis le groupe. C'est pas grave, suis le groupe. Allez, sors ton arme. Vous dépassez. Voilà, parfait. Ça me rappelle de sacrés souvenirs, commandant. Moi aussi. ...93 avec moi, on couvre derrière nous. Carole, tu regardes derrière avec moi. Porte. D'accord. Je veux un agent avec des yeux sur le moindre des angles morts sur toi. L'SPD, ouvrez. À l'SPD. On va défoncer la porte, hein, je vous le dis. Hein. Sur la ruelle à gauche, hein. Tu as vu une ruelle à gauche aussi. Ça peut arriver de là. D'accord. Hein. D'accord. Voilà, droite, super. Ça, c'est bien, KD. Surveille la droite. Nickel. Je regarde sur les toits s'il n'y a personne. Voilà. On surveille tout. Droite, gauche, on regarde. Regardez voir si toutes les portes des bâtiments sont fermées. Vous vous déplacez en unité de plusieurs membres. Deux agents avec moi. Vas-y. J'arrive. Allez-y avec 15. 93. Ça va pour vous, Fidjela, ça va pour vous, vous allez bien. Alors, reste là tous les trois. Nickel. On reste bien dans. D'accord, l'affirmatif. Attention civile, hein, les visez pas. S'il n'y a pas de danger. Enfin, mettez pas la. Enfin, vous visez, mais je veux dire, mettez pas l'arme, le doigt sur la gâchette, quoi. D'accord. Soyez sûr de l'environnement, soyez sûr de sur qui vous tirez. Hein. D'accord. Recule un peu, 93. Allez où, 15, je l'entends. Vas-y. Après, je te dis de la défoncer. On va faire sauter la porte, hein. Je regarde dans la ruelle là-bas. Super. 4. Attends, je vais faire dynamite. J'ai un œil sur le toit. Y'a plus rien. Toutes les unités en place derrière moi, une fois qu'on a fait sauter la porte, on y va. Allez. Ah, est en haut. Comment ça, c'est. Tout le monde derrière moi. Zri. On surveille toujours derrière. Affirmatif. Je viens de voir civile, une voiture verte arriver. La voiture verte, elle est arrivée d'où? De la gauche devant là. Non, la gauche là où on est. Ok. On va surveiller. Ouais. 93 et moi, on surveille l'arrière. Il a pris. Il y a une voiture verte et qui s'est arrivée bordel, à la gauche. Je l'ai pas sur moi. Zri, je te plais à la MDR, j'ai cru connaître sa voix vu qu'il est stagiaire l'autre jour. Ah putain, il est stagiaire, putain, j'avais même pas fait gaffe. J'avais pas compris que Zri jouait sur le serveur. Il me faut des bombes dans mon coffre. Les unités avec... Prenez les unités avec moi, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, 15. Avec ton unité. Suivez 15, là, ceux qui étaient avec 15 tout à l'heure, là, il y a deux secondes. Ah bon, bah. C'est bon, il va. Allez, tout le monde en place. Unité sur tout zone à couvert, on va faire suite, on va faire sauter la porte. Yep. Couvert tout le monde. Attention, on recule un peu. On se décale un peu. Voilà. Bon, ma place, tout le monde recule. J'ai reculé. Martouf ? Oui, commandant. Déplacé où là ? Tu es là ? Je supervise l'arrière, je surveille l'arrière aussi. Ouais, c'est vrai. Vous êtes prêts à rentrer dedans? Ouais. On rentre dans 4, 3, si mes calculs sont exacts, 2, 1. Ah, mes calculs n'étaient pas exacts. Go! En colonne, doucement, doucement, en colonne.
Bande de brutes. Allez, on y va. Je me mets derrière. Ça me défonce. Vas-y, Jayden, je suis derrière au cas où. J'entre. RS gauche. Regardez droite, regardez droite. Regardez droite. RS. RS. Ok, on fouille tout. Il y a 4 en train de se surveiller si, l'entrée. Vide, un oui, d'accord. Deux téléphones. On fouille tout. On saisit. On saisit avec un gros. À la porte, devant la porte. Rangez bien vos flingues pour à l'intérieur, pas l'extérieur. Voilà, reste là. Que quelqu'un passe la porte. On fait des pizzas, moi je le maîtrise. Voilà, faut ranger ses flingues pour fouiller, c'est bien ce que je dis. D'accord. Ok, on passe à la suivante. Il y en avait beaucoup au niveau de l'étage des portes, commandant. Première maison fouillée, RAS, on fait sauter la deuxième porte. Tout ce qui a saisi, vous me les remplissez dans l'RIA. On passe à l'étage supérieur. Disquette. C'est bon, vous avez récupéré, c'est bon, on y va. Allez, on sort là, étage supérieur. Plus personne, allez. Attends, explosif placé, tout le monde en place. Ça va aller. Bon. Doucement, doucement. Ah, il m'a fait peur, c'est Jayden. On entre. Doucement, un par un. L'aspect, don't fucking move or kill you. Je savais la fin. Non, tu passes pas devant moi. Ah, mon top, Jean. Top. Ah, excusez-moi, c'est ma quête, je déteste Snoop Dogg, désolé. RS. RS. Par contre, les chiottes sont dégueulasses. On n'est pas venu là pour chier, Jaden. On procède à la fouille. Baissez vos armes. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. On fouille. Procédez à la fouille, vous rangez vos armes. RAS. RAS. Vas-y. On prend les armes à l'extérieur, hein. Voilà, super. Une fois que vous êtes sortis, vous reprenez les armes au cas où. Ça va faire boum. Trois, deux, un, boum, boum. A raté, hein. Ah. Boum. Non, toujours pas. Attention, parce que normalement, ça devrait... Oula, attention, le barbecue, il a pris feu. Ça prend feu, ça prend feu. Attendez, attendez, j'ai... attention à vous. Oula, c'est macabre, ici. LSP, T. C'est bon, le feu se contrôle. Ça sert bien quand même. RS couloir. Oh. Yes, au fond. La pue là-dedans. Oh, la vache. RS droite. Oui, allô, le commandant de police, tu es en inter là. RS au fond. Oh. Il y a un macabre ici ou quoi? Oh là là. On arrive après, on est en pleine intervention lourde là. RS, on fouille. On range les armes, on fouille. Ah bah, donnez-lui l'argent et restez en sécurité.
Lucas, je suis prêt à ta poule, pauvre. Ah, est-ce que vous pouvez pas envoyer une unité qui surveille qui paye. Parce que vu le monde qu'on est et qui sont là-haut, rien. Ça vient du tout. Ouais, ouais, attends. Bah ouais, attends, c'est ça. 51-47, il m'a dit. C'est une unité au nord, là, où. Bah, attends, c'est où ça, même 51-52. RS. RS. Attendez, attendez. Les ordres. On surveille toujours les toits en attendant, hein. Ça peut sortir à tout moment. Hein. Ouais, reçu. Affirmatif. Ça, c'est une rapide, couchez-vous! Ah, ça va, commandant? Très rapide. Oh, ça réveille! Ça secoue, hein! Commandant, on envoie une unité, vous avez envoyé une unité? Ouais, faut envoyer. Non, c'est pas envoyer une unité, mais je sais plus c'est où, c'est en 50-47, je crois. Une unité qui surveille la 16. Envoie John. John? Oh, unité ouais. John? Vous partez en 51-76. Dans ce secteur là il doit y avoir une supérette qui est en train d'être faite. Allez-y. 4 50-70, je sais plus. Ou 50-70. Oh merde, il est entré encore là-dedans, quelle horreur. Poussez-vous. Mais poussez-vous. Ah. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, Kama Sutra. The Kama Sutra, Power Vichin, Yoga for Beginner, Finding Yourself, Chinese Folk Art, Know Your Clan, Self-Help for Woman. Commandant ? Yourself. Oui. C'est normal que les messieurs vous ressemblent sur la photo ? Où ça ? Au-dessus. Ils vont juste noir et chauve. Ben justement, ils y ressemblent. Et maintenant ? Moins, beaucoup moins. Voilà. Porte suivante. Commandant. J'ai faim. Non. Oh. Allô ? Courez. Courez. Bon, il y en a un qui n'a pas compris si ça voulait dire courir, tant pis pour lui. Non, mais... Ah. Bah en même temps, il était sur lui, donc bon. Ah, c'est... C'est vrai que... Mais ça aurait été plus tôt en même temps, hein. Heureusement qu'il est pas venu. C'est une blague, ça. C'est moi qui ai pris en plus. Attendez, j'investigate. J'investigate. Allez, fouille l'appartement. C'est 4, lieu de l'impact, tout le corps. J'entre. Ouais, je m'occupe de ça, c'est bon. Ah bah c'est marteau en plus, non. Si, forcément. Forcément, c'est moi. Moi, j'ai une vraie question, là. Forcément, faut que ça tombe sur moi, hein. Tu sais que vraiment, elle était sur toi, en plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle avait disparu, je l'ai pas vu. Tu nous as sauvé, hein. Oh merde. Capitaine, faut pas se jeter sur les grenades comme ça. Mais hein. Non, mais il l'a collé sur moi, le commandant. Ah, c'est pas fait exprès. Allez, bon. Ça tombe bien, j'avais faim. Allez, hop. Nickel. Je sais pas. Porte au droite. Vas-y, avance. Allez, la S. Oh putain. Je me souviens de celui-ci, c'était le pire, lui. Waouh. Mais c'est aussi c'est luxueux. 10-23 en 50-70. RAS. 10-4. RAS. Vous aimez pas le vin ? RAS, commandant. C'est quoi ce bordel de... Fouillez tout, hein. Ah ouais, ils ont du mal avec les ordres, je trouve. Allez, commandant. J'ai trouvé des patines. Dans la douche, elle est plus grande que... J'ai pas de référence, mais... Est-ce qu'il y a des toilettes ? Maintenant, je pense pas que ça soit le moment. Oh, on continue. Pardon ? Téléphone portable. J'adore, j'ai pas entendu RAS, ils ont fouillé ou quoi, super. Impeccable. 10-25 sur les lieux. Bah, revenez en position s'il y a rien. 10-4. Il faut aller fouiller le garage. Retour à l'entrée là, toutes les unités.
Au niveau du garage, voilà. Au niveau des voitures. Allez, on se remet en position. On surveille bien la zone, le secteur. On vérifie les murs là. Les toits, pardon. Bon, là, je vous le dis, il va falloir faire sauter la grille et ça va pas être une mince affaire. Va pas falloir rester devant. Ok, les. Commandant, vous avez entendu C4 qu'on rentre par une autre porte avec les outils. On pète la porte du C4 au garage. Envoyez-moi ça. On va rentrer par l'autre porte au-dessus. Non, non. Non, mais c'est une blague. Attention, attention. Fils de pute est mort d'impact en prenant C4 dans la gueule, parce qu'ils ont raison. Hein. La meilleure mort RP possible dans Jaden. Hein. Magnifique l'home run, hein. Mort RP. Bah non. Non. toujours pas. Toujours pas. Non, toujours pas 36. Ah, hein. Vraiment, toujours pas. Non, chier. Non. Quand je vous disais envoyez-en un commandant, c'était pas ce que j'entends. Ouais, c'est bon. Courez. Déplacez-vous de vous écarter. Non. Y'a pas un coup de feu, c'était quoi ce bruit? Eden, bouge là. Normalement, la porte aurait dû sauter. Je vais faire ce... Venez, commandant. Ah, c'est du métal galvanisé, ça ne saute pas. Ah, il y a peut-être une porte. Venez, on va descendre par là-bas. Mais tu es où? Remontez l'escalier à droite de la porte du garage. Et John, on a repris position. 10-4. Apporte là. Je me souviens, la grenade rappelle la fiesta dans le bureau. Oh oui, ça, putain, c'était drôle ça. Exagéré mais drôle. Exagèrement drôle. Ok. RS ici. Fouillez-moi les poubelles. Fouillez-moi les poubelles, tout ça, ouais. Fouillez les poubelles là, les cadets. Ça descend. Rangez vos armes et fouillez les poubelles, s'il vous plaît. RS, cache d'escalier, couloir. C'est un parking. RS gauche. RS droite. Ça rejoint la porte. Pourquoi m'être fait venir ici? Vous avez rien par numéro? Y'a quoi ce pneu là? Y'a rien. Étonnant, commandant là. Retournez voir fouiller le premier appartement, peut-être que nous avons mal fouillé. On avait quoi? Y'avait deux téléphones, c'est ça? Il y avait deux téléphones, je les ai récupérés. Après, y'a pas mal de bidons d'essence, mais il faut les transporter. Ah, la grille n'a pas laissé à sauter, on va pas passer par là-bas. Enfin, moi je peux. Ouais, moi aussi. On remonte. Des poubelles ont été fouillées. Affirmatif. Parfait. Là, je les avais fouillées. Là aussi, ok. Celle-là aussi. Ok, super. Ouais, je l'avais fouillée, celle-là. Oui, bah oui. Les escaliers. Reste dans les... Burrito de Billy, ah oui, quand il perdait le pneu, oui, c'est vrai. Et le Esperanza là-bas? Je me souviens qu'on était entré là-bas à la descente des Riders. T'es qui au téléphone?
pas trop. Ouais, c'est chiant là. Dégage de là, dégage de là, dégage de là. Ouais, ouais, ouais. Ça s'ouvre pas! Continuez à surveiller vers les toits. On avance. On arrête de courir comme des cochons. Hein. Oh. Ah. Reculé, sortez. On est vécu. On se met à l'abri. Sinon, fait boum. Bien ça. C'est bon? Allez-y, rentrez. Un par un. Allez, 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 on y va, on y va. Oui, allô. 05 avec moi. D'accord. RS droite. Oui, affirmatif, on en descend à côté. Mon petit cadet. À gauche. À gauche, ça a été fait à gauche, j'ai pendu le RS. Ah, con. Bingo. RS. Vous avez trouvé à... Oula, oui. RS. Bingo. Putain, John, on a un concitoyen armé, on va le neutraliser. Attends, je range mon arme, je fouille. Neutralisation effectuée. À 10-4. Commandant, première porte à gauche a trouvé quelque chose. Ah. Ok. RS ici, de toute façon. Ça a été fait, là. Oh là 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 là, ça ouais, ça pue. Ça, c'est... Ça pue. Ouais, ouais, ça c'est... Bon, ça c'est pas faire pour... Ça c'est pour faire... Bon... Où ça? Je suis tombé sur de la cocaïne. Commandant, on a trouvé un ton... Ah, de cocaïne ou ça? Attention, reculez, reculez, laissez rentrer le commandant. Attention, photo. C'est trop que je dis, hein. Attention, la photo. C'est bon, t'as réussi à prendre la photo. Attention, capitaine 22. Vous êtes sur la photo, faites un sourire, oui. Si vous voulez. Non, non, c'est bon. Commandant, soit c'est une salle pour faire du BDSM dans un donjon... Soit c'est une salle de torture. J'ai trouvé de la cocaïne. Pense que c'est oui, la deuxième. Où ça? Vais-moi. Ah. Cocaïne, cocaïne. Ici. Gardez vos armements, c'est ceux qui ne fouillent pas. Où ça? Ici là. Inter. Ok. Ah. Ah, bien ça. Tu es promu. Merci. Ce n'est pas vrai, calme-toi et détends-toi. Oulala. J'ai dit merci. Oui, parce qu'il n'y a pas que de la cocaïne là-dedans. Il y a beaucoup d'argent, hein. Oui, oui, il y a de l'acide muriatrique, il y a oui, de l'argent. Touchez à rien pour l'instant, je prends des photos. Oui. Il y a, mal de choses. Il y a beaucoup de paquets de feuilles à rouler, il y a des tables, ok, ok. Okay. Tout ça ne me dit rien qui vaille. 93 descend avec la vie. Oh, ça me fait chier, ça. Mais du fertiligène. Nanana. Toute la saison. Ouais, j'ai là aussi. Bien, il faudra vider ça. Je prends les photos. Zéro 5, t'es venu avec ta voiture? Affirmatif. Tu peux rapprocher le coffre pour qu'on cherche ça dans ta voiture? Il y a des plantes dans celle-là. Oui, oui, on a vu, ouais. Ouais. Merci. Bien, le dispositif extérieur, vous pouvez lever le dispositif John et Fitzgerald. J'approche ma voiture. On va avoir besoin de bras, c'est positif ici, RAS personnel. 10-4. 0-5, rapproche ta voiture, le cul de ta voiture, à tout foutre dans ton coffre. 10-4. C'est bon, les photos sont faites.
En fait, bébé, il a bien dormi ce soir, dis donc. Elle s'est pas réveillée, nénette, là. Je te suis. Ton arme, Davis. Gérald, Davis, on est. Commandant, vous voulez appeler le procureur pour qu'il vienne le voir ou pas? On peut l'appeler maintenant. Ok, je m'en occupe. Capitaine. Oui, bonjour. Oui, 22, dites-moi tout. On vient de faire la descente. Le commandant vous a 44, et tout oui. À fait. Nous avons trouvé beaucoup de drogue, beaucoup de d'argent. Vous voulez, on est en train de tout saisir. Vous voulez venir voir comment se passe l'opération maintenant que c'est sécurisé. Si la zone est sécurisée, oui, je peux. Tout à fait. Tout à fait. La zone est sécurisée. On est en train de tout vider. Eh ben, d'accord. Eh ben, écoutez, je ne suis pas très loin. On arrive dessus. À tout de suite. Ah, merci. À toutes les unités, faites place à l'entrée. Le procureur arrive. S4. Bon, et qui aurait dénoncé ça alors? Quelqu'un qui aurait l'intérêt de faire ça? Je pense que oui, on ne fait pas ce genre de choses sans intérêt, mais je suis en train de réfléchir justement quel était l'intérêt. Rentrez là, monsieur le procureur, rentrez là entre les voitures, là, ici. Allez-y. Oula, un petit jeu. Ah, ça a déplacé légèrement votre voiture. Bisous, Lolo. Bonsoir. Ah bonsoir. Ouais, Gary. Ça va. Donc le mandat. Attendez. Oui. Le mandat, je le donne à qui? Au commandant. Oui, je pense. Commandant? Bah c'est ouais. Le mandat. Je vous donne le mandat? Oui, bien sûr. Donnez-le à Jaden. Ah, très bien. Tant pis, c'est moi, je l'ai aussi, c'est bon. Je vais refaire une copie pour Jade. Qui c'est? Je te remercie. Hop, pardon. Je te remercie vraiment. C'était gratuit. C'est que de l'amour. Oui, bien entendu. Moi j'aime bien, c'est les agents de sécurité qui réagissent même pas. Hein. Non, mais parce que. C'est qu'une preuve d'amour. Les ouais, twins là, les Kit et Kat là, les jumeaux là. Après, je leur casse la gueule à tous les deux. C'est vrai. On peut nous appeler sans tromper. Mais... Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé au total? Il y avait quoi? Oh là, vous voulez le résumé? Bah, pour le procureur, oui. Une 6, si ce n'est plus, bidon. Ça ressemble à un acide, mais je sais pas encore quoi. Je crois que c'est acide de Muria, quelque chose écrit dessus. Ils sont dans le corps. Une bonne grosse dose de
ce qui semble être de la cocaïne. Faut qu'on fasse analyser pour confirmer, mais c'était rangé dans des caisses là. D'accord. Ouais, facile 10 000 des petits pochons. Après, il y avait des grosses sommes d'argent, j'ai pas eu le temps de compter, on a tout saisi, on va recoter au poste. Et un bidon d'essence, du papier roulé, enfin, des conneries. Voilà. Enfin, des conneries plus des conneries, ça fait des grosses conneries. On a tout pris, exactement. D'accord. Et niveau cocaïne, j'ai rarement vu une aussi grosse quantité. D'accord. Donc, de la drogue en très grosse quantité, de l'argent aussi. Oui, ouais. En grosse quantité aussi. D'accord, donc de l'argent à vérifier, savoir si... C'est ça. Okay. On va post-analyser. Non, ça doute les résultats demain vu la quantité. Mais... Okay, de 0,5, il reste un jerrycan, j'aurais pas assez de place dans le coffre pour mettre le jerrycan. Il faudra une autre unité. Escalade, j'amène ma voiture. Non. Commandant, vous savez qui est le propriétaire des lieux, vous? Oh non. Non, non, pas du tout. On a trouvé ça dans les caves, donc difficile. D'accord. Attention à vous. Attention à vous, capitaine. Parfait. 0,5 pour capitaine 22. Me transmet. Les plantes, on en fait quoi? On va tout brûler après, Jayden va tout brûler. Ok, discute. C'est bon, tout est chargé? Il reste le jerrycan qu'on va transférer dans la voiture de 15. À 10-4. Votre appel était anonyme. Il reste personne en bas au sein de la LSPD, commandant? Pardon? Votre appel était anonyme au sein de la LSPD? Ouais, ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Chargez le jerrycan également. Attention, dégagez la zone. Les plantes vont faner. À mon avis, c'est les voitures qui vont faner là. Peut-être sortir le véhicule, non? Pas mon auto. Ouais, faudrait pas sortir les autos là avant. Non, ça... regardez, c'est un pétard mouillé, ça a pas pété. Ouf. Oh, ah, ouf, voyez. Hein, parce qu'en plus, il y avait les autres voitures à côté avec toutes les preuves dedans. Oui, ça aurait pu faire boum, mais regardez, il n'y a pas de boum. Le pétard a été annulé. Voilà, ça fait un pétard mouillé. On a eu chaud, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Ah, ben là, c'était la correctionnelle là. Oh, regarde, vous avez posé une bombe, comment? Hein? Excusez-moi. Les gars, bah, surtout pas. Je l'ai par là, non. Ah ouais, non, putain, faut que. Je sais pas si. Dégagez les véhicules, commandant, on peut dégager les véhicules? Le pétard mouillé a été annulé? Bah, j'ai pas. Non, c'est pas, pas. On peut pas annuler. Faut retirer les voitures. Ah, retirez les voitures, vite! Non. Maxence, bouge ta caisse. Ça va bien péter. Oui, c'est le commandant qui est en train de... Ah, ok. Je pense que c'est... Bah, dans le moment, c'est bon, là. Recule-le, le 4x4, là. Mais il est où? Bah, il est par terre. Achille. C'est le bidon, c'est ça? C'est le bidon? Hein? C'est le bidon? Non. Ah, non. Non. Eh oui. Ah, bah, c'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin de la catastrophe. On l'a fait. A toutes les unités, 10-19, bravo à tous. Ok, 10-4. Ok. 10-4. Je te lance mes félicitations à toutes les équipes de police. Vous avez fait preuve d'un sang-froid redoutable à reproduire en situation réelle, c'est-à-dire avec des gens armés en face. Pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire. Merci, tout le monde reprend son travail quotidien. Attention sur la route, c'est qui calé? C'est moi, mon éminent. Mon capitaine, c'est moi qui... Oh oui, mon éminent, suce mes orteils. 36 aux unités sur zone, quelqu'un qui se charge du RI immédiatement et qui se désigne. Tiens, yes. Je te mets de la musique sur ta radio. Bah, tout ça en même temps. J'ai pas la radio. Mais si, bah, mets le PPMS, c'est une très belle musique. Ah, ok. Allez, c'est bon, je me charge du RI, j'ai besoin de... Oui, tu peux, vas-y. Ok. Non, non, négatif, quelqu'un d'autre. J'ai mis la musique dans sa radio. RI, envoyez-moi toutes les infos par mail. On a de crever, hein? Il sera rédigé demain dans la matinée. Mais non. Fitzgerald,
19. Unité Charlie 10-19. Caroline 10-19. Caroline, c'est comme K2000. Du coup, je vais avoir besoin de 0,5, je vais avoir besoin de bras pour retirer tout ce qu'il y a dans le coffre. Hein. Pas disquette, t'inquiète pas, gars, là, on tire dans le. Bah comme quoi, quand on attend les briefs, ça se passe bien. Rejoins pour capitaine 22. Oui, transmettez. Yes. J'aime bien la musique que vous avez mis dans ma radio. C'était mon parcours. Ah, vous avez vu, hein. C'est yes. Un problème avec ta voiture. Ouais, il manque juste. Unité John 10-19 effectué. Kennedy 10-19 effectué. Unité Charlie 10-19 effectué. John 10-19 effectué. J'ai manqué, j'ai merguez ce midi. Ça me donne des gaz. Je tombe ou tomber, commandant. Ah, ça va péter. 16-18, bonne soirée à tous, bon courage à demain. Bonne soirée. Bonne soirée, 16. 17-18, bonne soirée. 24-18, bonne soirée. C'est le capitaine 22. J'aime bien la musique, capitaine. Ah, vous avez vu ça? Vous pourrez me l'envoyer. Bien sûr, bien sûr. Elle dit que la vérité en plus sur moi. Hein. Ça y est, j'ai dans la tête. Genre. Ah oui, elle reste dans la tête en plus. Hein. Du coup, on met les. J'ai pris toutes les saisies qu'il y avait au fond. Je peux pas faire plus. Parfait ça. Capitaine, je vous donne le saisir. Ah oui, vous avez pas accès. Ah, ça c'est chiant ça. Bah même non, toi t'as pas accès. Bah je sais pas si en tant que sergent chef je peux avoir les codes. Ouais, mais normalement. Non, je pense pas. Bah aussi. Je sais bien qu'il y a deux bureaux de saisie différents, mais. Bah oui, pas oui, où, oui. On va quoi. Ouais, lieutenant pour 22. Ils ont accès aux saisies, les sergent chef, j'espère quand même. 10-5. Et au moins sergent-chef, merde. Mais c'est si, il faut juste leur ouvrir, il faut juste qu'il y ait un état-major pour leur ouvrir. Ah, oui, d'accord, mais ils ont accès quand même à l'intérieur, après. Ton casque et ton masque, même les cadets ont accès. Ok, bah je leur ouvre la porte, alors. Vas-y, skate. 29-18, bonne soirée. Donc là, en fait, on se retrouve moins d'unité pour... 08 pour l'état-major. Apparemment, écoute. Ouais, transmettez. Les il y a juste les sergents et sergent-chef qui peuvent rentrer dans les saisies. Voilà, les autres restent à l'extérieur. Tu m'autorises ou tu fais un message général pour que j'aille vraiment toutes les infos parce que moi j'étais extérieur au terrain donc moi si j'ai pas toutes capitaine. Les infos. Hop là, c'est bon. On pourrait faire un message général pour qu'ils envoient toutes les informations à 17 pour qu'ils puissent faire le RI s'il vous plaît. Pour éviter qu'il manque des informations. Mais pourquoi, que... pourquoi c'est lui qui fait le... Bah parce qu'il n'y a personne qui s'est désigné. Sinon, c'est toujours 36 et moi-même qui font les rapports. Je demande 36. 36, qui s'occupe du RI? 17. Ok, 10-4. Il lui faut toutes les informations, par contre, parce qu'il n'était pas sur les lieux. Oui, 10-4. Ouais, mais moi déjà j'ai. Ok. Ah. 15 pour capitaine. Oui, transmet. On n'a pas du tout accès au CD. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais la dernière fois j'ai laissé un agent mettre des trucs. Ça l'a fait demain, ça l'a fait demain. Bon bah, ramenez-moi tout, je vais faire le transfert. Ça va être long et chiant. Posez tout par terre. Posez tout par terre, venez. Mais il y en a aussi à l'étage, capitaine. Ah merde, oui, c'est vrai que c'est chiant ça. Je sais bien qu'il y a les armes et la drogue. Et tout ce qui est drogue, c'est ici. 11 000, je crois que j'ai. Ouais, moi je veux la drogue. Ici, posez-moi la drogue. Là. La drogue. Les papiers à rouler aussi. Oui. L'acide, enfin un bidon de chez d'acide, ça aussi. Oui. D'accord, le reste c'est pour toi, un bidon d'essence, oui. Je pense. Peut-être.
Alors que la drogue ici, hein. J'étais gentil jusque là. Le reste, si vous avez de la drogue, vous la donnez au capitaine. Vous la donnez au capitaine. Vous la posez par terre. D'accord. Vous la posez par terre. Pas tous en même temps, parce que on se pousse, on se pousse. Allez, on se pousse de là. C'est pas croyable là, d'être ramassé comme des cochons. Des cochons, elle a dit. C'est mignon, les cochons. Encore, posé par terre. Très bien, très bien. Très bien. Ça fait beaucoup là, non? Que la drogue ici, hein, je rappelle. Bon, ça va, elle a vite fait la cuisse gauche de toucher, mais ça va. Ok, ensuite. Par contre, je vous assure qu'au niveau cocaïne, mon coffre, il était blindé à 3/4 de cocaïne. Aïe. Il y en a une énorme. 36-19. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, Théo. Il est partisan et une table. Mais je dis, j'ai pas fait une table, donc je me suis arrêté. Ah. Ouais, je me suis piqué. Capitaine. Oui. Je me suis piqué avec une cocaïne sans faire exprès. Hein? Mais comment t'as fait? C'est pas vrai! Tu vas aller aux EMS? Bah tu vas aux EMS? Emmenez-le aux EMS. Attendez, je vous donne la suite, Ouais, donne la suite et tu te casses aux EMS. Tu fonces, À demain mon éminence. Merci, bonne soirée tout le monde. C'est quoi ton matricule? Mais je vais l'amener aux EMS. 4, bonne soirée. C'est quoi ton matricule? Ah, c'est 09. Attendez, je vous donne la 09, c'est piqué avec de la cocaïne. Je l'emmène aux 15, l'envoie aux EMS. Je vais l'emmener. Je dois juste déposer ce que j'ai dans la poche là. Ouais. Assieds-toi dans un coin, t'as la tête qui va tourner, tu vas avoir des hallucinations, je pense. Oula, c'était quoi ça? Oula, c'était plutôt violent celui-là. Allez, 09. Du coup, entretien, on le prend demain. Je me suis. Ton casque et ton masque, s'il te plaît. Oui. Putain, non, mais ça fait beaucoup là quand même, hein. Ah, mais c'est pas fini, c'est plein, faut que je mette ailleurs. J'ai plus de place pour mettre. Ah, attends, je vais en prendre un peu. Il y a une énorme quantité. Ah, même le sol, il est plein, quoi. C'est fou. Tiens, ouais, je vais en prendre 200 par 200. Voilà. Enfin, un peu plus, quoi. Mais... Oui, bonne soirée. Ok. C'est quoi qui est par terre, là, dans l'entrée? Bah, de la drogue, je sais pas. Ah, ouais, non, mais il y avait autant de. Oh là là, ça fait. What? Oh, ça fait. C'est quoi les explosions, là? Ah, c'est toi qui pète les plombs. Neutralisé, c'est bon. Neutralisé. 05, je dois vous rendre mon arme de service. Je suis dans les saisies. En bas. Waouh. Oh, ça fait des vibrations dans les oreilles, c'est impressionnant. Et c'est pas fini, capitaine. Non, vraiment. Non, vraiment, vraiment, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Oh putain. J'arrive pas les saisies. Moi, je suis que en bas là, je fais que la drogue pour le moment. Tu veux que je t'emmène? Elle emmène 09 qui nous avait une 69 pour info. Comme ça, une 69. Elle te rappelle 69 quand elle avait. Le pochon avait explosé sans faire exprès? Bah là, c'est pareil. Donc il va aller faire coloscopie et nettoyage de l'estomac. T08, j'attends vos mails avec toutes les informations, merci. Même chose pour les photos, s'il vous plaît, merci. K09, arrivé aux EMS. Après moi. D'accord. Putain la vache, le nombre de cocaïne qu'il y avait quand même, ça fait beaucoup de sacs, hein, effectivement. Hein. Je m'attendais pas à autant. De toute façon, hein. plus on en prend, plus j'en ai encore dans le coffre. Hein. C'est quoi le sac dans l'entrée? Il y a quoi dedans? Cocaïne. Ah bah, amenez-le là, parce que c'est un peu loin. Hein. Faut que je me vide. Les poches. 08, 18, bonne soirée à tous. 17, bonne soirée. 14, bonne soirée. Mettez-le dans l'entrée, c'est très bien. Voilà, ça va être suffisant. Au moins, les superviseurs, ils devraient avoir accès au moins à ça. Hein, je dis. Oui, mais il me semblait, du coup. Non, c'est pas ça. Donc, en fait, il faudrait que tout le monde y ait accès, mais qu'on soit les seuls à l'état-major à avoir le code. Oui, bien sûr, c'est ça.
Dans un ancien commissariat, c'est ce que je disais, on avait des casiers. Et ça, c'était bien comme ça. Enquête numéro 1, casier 22. Je sais pas, tu vois, casier 32. Au hasard, 32. Oui, oui, c'est tellement l'habitude. Oui. Okay. Allez, casier 36 si vous êtes jaloux. Oh. Oh non, c'est bon. Je me dis juste qu'on me fait pas de musique, moi. Vous allez faire tout seul ? Vous l'avez pas fait tout seul, c'est une femme qui chante. Oui, c'est vrai. C'est bon, tu es presque fini ? Oui, il en reste. C'est bon, c'est presque fini ? Non, en cocaïne, il reste une grande quantité. Non, c'est pas... La table aussi à prendre. C'est pas vrai. Vous avez saisi une table ? Une table de weed. Ah, une table une table de weed. Qu'est-ce qu'il m'en coûte, lui ? Bah, c'est une table avec odeur forte de weed. Ah, ok. Une table. Avec des résidus de weed, quoi, j'ai l'impression. J'ai mis un truc par terre. Ouais, c'est une table de weed, c'est plutôt une table avec des résidus de weed, parce que sinon c'est une table pliante. Oui, mais j'ai appelé monsieur. Pas de soucis, pas de soucis. Ça va, on a compris. Mais la cocaïne, ça en finit pas, c'est incroyable. Mais non, mais oh. J'ai pu prendre la table. En fait, je peux prendre 600 par 600, je vais mettre directement 600, je vais gagner du temps. Je l'ai mis où la table ? Là, par terre. Oh, j'ai fait n'importe quoi, moi. Je l'ai mis devant. Fais chier avec cette table. Ah, et puis j'ai pas de place pour la mettre. Bon. Les deux, là, c'est la table. J'ai deux sacs. Ah, voilà. Encore un peu de cocaïne. C'est tout bon pour le site. Tu pourras ranger. Non, c'est pas. Fertiliseur, on en a pas en dessous. Là. Tu pourras. Jayden, 36. Oui. Vous pourrez ranger la... Ouais, la table parce que je... elle est trop lourde pour moi. Je suis... Oui, bien sûr, j'ai la place, bien sûr. Je suis trop faible. Ah, mais après, parce que là, je peux pas du tout. Porte à deux. Oui, c'est les radios. L'intervention, le truc rouge à l'oreille. Et B ? Mais attendez, il y en avait plus, non ? Bah, je sais pas, on est okay. À. Non, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. C'est, non, pas... c'est ça. Il n'y a pas eu de perte ? Peut-être une perte parce que l'autre, il en a essayé. Et je vois rien, un truc à péter. Il y en a qu'on a pris ? Oui, 0,9. Il a fait, bon, il a fait une 69, tu te rappelles ? Oui, ben, j'avais pas compris, mais du coup je comprends. Alors attendez, vous posez ma M4. Bon, vous refermez les saisies du coup, si tout est mis. Merci la gueuse. Tu n'arrêtes pas, mais c'est bien bonne. Line Croft, ah, ben, merci. La récolte. Eh ben, une bonne chose de faite. Ouais, qu'il dit de vous. À toi ? Capitaine 22. Ah, ça y est, vous me l'avez eu dans la tête, hein. 22. C'est le capitaine. Oui, elle sera disponible sur YouTube. Alors. Oui, j'avoue, oui. Vous m'avez fait peur au début quand vous m'avez 93, dit je te mets une musique. Non, si je mets une musique, c'est que tu vas pas avoir de problème, t'inquiète pas. Ah, ouf. Ah non, parce que moi je suis le premier à râler là-dessus. Mais quoi là ? Non mais. Ça va la bouffe périmée pour mettre ça aux poubelles, hein ? Si je trouve le con qui avait fait ça. Non, mais la musique est bien par contre. Ah bah j'aime, oui. J'aime beaucoup. Je vais la prendre. Alors, ça a été écrit par moi et une amie qui s'appelle ChatGPT. Et Suno, non ? Et voilà, et la chanteuse c'est Suno. D'accord. Mais ouais, tout le monde connaît ? Tout le monde connaît ? Moi non. J'ai appris ça hier. Non, j'ai appris ça grâce à vous. Ah oui, d'accord, okay, bah voilà, bah pareil. Moi, j'ai appris ça hier et j'ai l'impression que je suis là. Oui, je suis là. Je peux voir ? Bah oui, je suis là. Oui. Essayez discrètement de savoir si le commandant avait un frère ou un frère et qu'il est en contact avec. Oui, mais commandant, un frère, attends, je réfléchis, est-ce qu'il a un frère ? Non, mais même à l'avenir, oui, par les ondes de la manière naturelle, voir s'il vous donne la même version. Ouais, ça marche. Il a fait exactement ce que disiez, se mettre à l'écart, discret, ouais. Tout à l'heure, je suis arrivé au téléphone quand il a dit la descente
Il a reçu un téléphone, il a dit oui, oui, pour les pizzas, tout ça. Il a changé de conversation, je sentais que ça sonnait faux. Tout à l'heure, il parlait, il a dit non, je sais pas quoi, absolument pas. Enfin, c'était bizarre. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais. Il a dit, je lui ai demandé si c'était mon frère. Pour nous, on a eu le téléphone. Il m'a dit oui, oui, c'est les pizzas et tout. Et après, il m'a dit ah, on a l'intervention et tout en bas. Dans, il faut qu'on y aille. C'est vraiment dit... le fait qu'ils se mettent à l'écart, je comprends ce que vous dites. Enfin, ouais, ouais, voyez, c'est louche, quoi. Et là, les infos, je sais pas d'où il les a eues. Hein. Ça me paraît bizarre. Moi, je pense qu'il sait qui a donné les infos. Mais... Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, il est détaché les cheveux. 93. Oui, mais je sais bien, mais parce qu'avec les cheveux détachés, j'ai pas reconnu. Bon, bah voilà. Ouais, comme vous dites. Ça va être une fin de service, j'ai l'impression. Ouais, je crois. On est par contre, ils sont vite partis sans nous aider à... Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça, par contre, ouais, voilà. Bon, allez, 18. Il y a plus que nous trois, là, je suppose. Je crois. Il y a ceux de l'AMS, là. Ah non, non, oui, 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 sérieux. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Demain, j'aurai besoin... 22-18, bonne soirée. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Avant que je les dispatche avec les officiers. Ok. Oh, je serai là. On sera là. Bonne soirée. Bonne soirée, capitaine. Ouais, faut que je le change le Sky, ça. 1-0-2. Parce qu'il avançait beaucoup trop. En fait, il écoutait pas, en fait. Quand 15 vous disait un truc, il écoutait pas. À plusieurs reprises. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir, les petits loups. Ah, c'était cool. Je vais remettre la musique de fin, bien évidemment. Bah, maintenant, vous l'aurez en début de live et en fin de live pendant un petit moment. La musique de 22, bien évidemment. Bien évidemment. Je pense que je vais faire des sub-goals avec je vous refais une musique. Mais alors, par contre, il va falloir des idées. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas du Pazo, mais... Oui, mais alors, même si tu l'as entendu, Stan, le bébé, c'est pas parce que le bébé pleure que j'y vais. Mettez quand je suis pas là, pour l'exclamation bébé. Quand je reviens, là je suis pas parti, tu vois. Bébé s'est juste retourné, mais ça va, tout va bien. Merci en tout cas de me le dire au cas où j'entends pas, des fois avec le casque, mais bon, normalement ça résonne bien. Je vous fais des bisous, je vous laisse sur la musique du Capitaine 22. On se retrouve demain soir à 21h. Merci d'avoir été là. Bonne soirée et à demain! Tchou tchou tout le monde. Bisouserie. Bah oui, c'est la fin, hein, Ouli, hein. 22. À demain, je vais laisser entièrement, hein. Il gère tout sans jamais.
avec détermination. Il brille comme un halo, héros de Los Santos, toujours là pour nous. Avec ses qualités et défauts, il reste un pilier malgré tout.